Et bonjour, bonsoir à toute la famille, c'est Méditer, nous sommes connectés, mais cette nouvelle dans le moment, plaisir, qui est content pour nous capables de porter nos résumés d'actualité, hein? Ou même qui va être chasse pour te donner pendant toute semaine dans cette guerre comme information en Haïti ou à l'étranger, ou pour être chasse capable de revivre, rétendre pendant journée ça, pendant jeudi, hein? Grâce avec confrères et consoeurs dans la voie d'Amérique, pendant qu'il a demandé avec chaque grain d'amis, un nous like, un partage, un quitte commentaire, et si nous à peine tombé sur cette nouvelle, un abonné avec lui pour nous capables de grandir. Dix communautés, mais cette nouvelle là. Nous avons commencé avec information que nous connaissons presque d'habitude. Chaque jour que je dis un pays a lui-même tombé sous contrôle, on dit y a une véritable insécurité et Koubal Kap chanté la journée que la nuit. Mais pour même journée, alors qui c'est samedi 14 décembre 2024, là, mais Koubal continue à chanter dans le niveau Badelma, Nazon, Crissois, Solino, Front National, Avenir Populaire, Mondédé. Il est clair que la police, force de l'ordre, avec criminel coalition vivant Samio, mais il y a beaucoup de coups de balle pour garder comment que la police a regardé comment elle est capable de prendre contrôle divers côtés en dedans pays et surtout que bandit sa famille là eux-mêmes ils ont décidé pour capable créer panique dans un ensemble de zones. N'a dit que pendant et week-end ça là surtout avant de dire bandit qui était kidnappé plusieurs monde à son petit camp notre civilier et ben ils arrivé libérer moun sa yo mais ils ont pris toute sa moun yo te gagné et comme provision ils prend bête moun yo ils prend manger mounio pour marchandise mounio, selon toute dernière information, mais après ça, on libéré ensemble citoyens sao qui ont même tenant. Et voilà ça. N'apprend tout gagné yon bateau créé les Cecilia qui t'a sorti Port-au-Prince pour entrer dans ville Miragouane département Nipap d'Haïti mais qui fait naufrage matin samedi qui c'était 14 décembre 2024 là et gagné 19 survivants ça veut dire moun qui sauvé mais qui a expliqué comment que bateau ça lui même rivé fait naufrage mais yon poko capable quantité moun qui ont même mouri et tête noue dans la mer dans cadre et voyage bateau ça qui les même t'a fait de Port-au-Prince avec et département Nipé d'Haïti précisément dans ville Miragouane zami internet yo et n'a dit situation ça arrivé c'est parce que à cause question insécurité moun pa ka traverser sous route et matissan route grisséan mais citoyen obligé prendre la main pour yo pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté ou dimanche que pour aller dans ensemble activité yo. N'a dit pas de ce maintenant, on a dit situation lui-même n'est pas changé côté en pile acteur, en pile secteur continue à réagir par rapport avec la question insécurité, violence qui gagne dans le pays. Mais ça montre clair que selon pile monde, volonté pour nous sortir dans cette guerre comme situation insécurité, il paraît vraiment difficile, mais je souhaite que l'autorité concernée eux-mêmes, ils prennent toute disposition pour capable résoudre problème insécurité en Haïti. Gagne CARICOM qui lui-même invité ensemble partie et prenant processus à transition, ça veut dire ensemble partie qui fait qui gagne Sandré les intérêts ou bien qui gagne qui compte qui billet dans mettre Sandré là comme pouvoir transition surtout et capétéan mais gagne en compte dans date cap 16 décembre lundi 16 décembre cap venir là entre délégation entre autorité CARICOM avec et ensemble représentant secteur parti qui au même compte qui billet dans mettre Sandré là comme et pouvoir de transition mais n'a dit bien gagne parti petit Dessalines 21 décembre, collectif 4 janvier et aidé et raid à compromis historique qui dénonçait dans une note yo mettait dehors. Ça n'est les changements qui fait dans la diplomatie haïtienne non côté. Famille Lavalas lui-même li nommé ou latrié de moun qui censé sortir en dedans parti ou bien qui c'est de aller sur parti politique famille Lavalas. Et n'a dit dans la question de sécurité pendant ce maintenant, bandit, coalition criminelle vivent ensemble, piqué diffé dans l'école ETR et Horace ETR qui trouvait dans Ravine Pintade. Mais ça qui est vraiment encore montré à clair que bandit criminel vivant ensemble n'est pas décidé de chômer, non, ça a posé comme action criminelle sous peuple haïtien. Et pendant qu'il a mis diffé dans l'école Horace ETR, il y a pile caille qu'on apprend qui est aux alentours. L'école nationale, ça, bandit, arrivé, piqué diffé là-dedans, tout. Amis internautes, nous. En même temps, on a dit que gain là,
Et puis Bahamas qui a annoncé déploiement dans la date 22 décembre 2024 là, de bateaux dans le pays d'Haïti, ça veut dire, et sous la mer pays d'Haïti, dans l'idée pour capable intercepter les armes illégales, comme si contrôler, saisir les armes illégales qui ont entré en Haïti, et en même temps, tout pour capable mettre le contrôle, éviter que des migrants haïtiens ne puissent pas quitter Haïti dans de mauvaises conditions, à bien dire, pour aller risquer tétio dans la mer, en pile froid, mais ça arrive à cause que bagay vraiment de surveillance qui fait pour empêcher que moun yo voyage dans n'importe condition sous un bateau bien anti-voilier, mais sous le même pays et d'Haïti. Nabdi Mila, par rapport avec la question élection, on apprend que gagnant. Avant même de la question élection, il y a un responsable de l'église sur le Rocher, Dieu l'aide, qui est même arrêté, qui est arrêté dans le pays Saint-Domingue pendant une semaine là pour présumer implication dans le dossier cargaison d'armes et actes munitions qui est arrivé dans le pays, dans l'église, sous l'église épiscopale d'Haïti. Mais dans la date qui était jeudi, qui était 12 décembre 2024, là, la police dominicaine qui a arrêté monsieur, il remet les autorités policières haïtiennes, mais côté que pasteur, et Dieu n'aide, monsieur Tegué ou à vide gouchier Chadeyel, dans ordonnance, maestra Martel Jean-Claude, il était metté dehors, il était voyé, pour te mettre non, et pasteur Dieu n'aide, pour te juger devant tribunal criminel, pour présumer implication, notre dossier cargaison ZAM, ça qui est entré dans le pays, dans son nom, l'église épiscopale, pays d'Haïti. Dans la question d'organisation élection, gagné et résident KPT, il n'y en a pas de liste de qui procédait avec la cérémonie installation et représentant secteur droit Mouna Magali Georges et puis représentant secteur femme Yves-Marie et qui lui-même c'est deux ensemble de secteurs ça qui peut coger Mouna pour te présenter au nom et KPIAN et bien pendant week-end là vendredi et président conseil qui c'est Leslie Voltaire les procédés à installation mais deux Mouna ça qui fait partie conseil et conseil électoral provisoire. Il y a la police nationale d'Haïti qui démentit information qui fait croire que l'ambassade américaine et en Haïti est amendé pour camper avec opération qui a mené au niveau Badelma. La police fait qu'on équipe à sa pièce. Il a continué à mener opération pour capable de les dénicher criminels assassins, sa famille loyaux, qui a fait s'encouler dans la population haïtienne. Et chaque jour, mon Dieu, mettez. Il y a un responsable en mission multinationale soutien sécurité à Haïtien. On a parlé de Godfrey Otongue qui montrait vraiment positif, vraiment optimiste pour que mission, bon côté de la police, soit capable de rétablir sécurité, la paix en un pays pour nous capable cité Godfrey Otongue. En même temps, tout n'a dit que gagné PM Alex Didier Fils-Aimé qui est même et non, il prend presque ben avec la presse pendant jour là, il décide de doubler ti 4 policiers les 4 débiants policiers yo et ben et puis augmenter salaire employé civil yo dans cadre ça prévoit dans budget 2024-2025 là, mais en même temps tout n'a dit gagné un budget 65 millions de gourdes mais qui accordé avec CSPN non, mais pour qui pour capable jeune bureau pour li capable faire s'entrer les réunions de travail conseil supérieur police nationale qui c'est CSPN non bien que un peu mon a plein pour dire que alors que la police pas vraiment gain moyen et pourtant je te entendez il y a bail presque 65 millions de gourdes avec PM nan pour capable gain bureau pour mettre faire réunion de travail conseil supérieur police nationale d'Haïti. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé persister à mes soins sans promesse pour battre contre gang et pendant qu'il connaît que je dis en solution les poco vraiment à privé mais quand même les déterminer pour bon côté la police nationale d'Haïti bon côté force de l'audio pour capable arriver gagner battre contre question gang armée yo. Bien que je dis en plus mon abdi, bata contre question insécurité à bon côté gang armé yo, les problèmes qui facile, mais en même temps, tout depuis l'état vle, y a capable de résoudre question insécurité à nan pays et d'Haïti, zami, internaute nou yo. Et en même temps, tout abdi que question qui gen là, gen exactement délégation ambassade États-Unis, Amérique, en Haïti, qui gen la tête Denis Hankins, qui visite jeudi, qui était 12 décembre 2024, local conseil électoral provisoire. Là. Et pendant la visite, ça, diplomate américain lui-même, réaffirmé si pour États-Unis dans le processus référendaire et puis organisation élection dans le pays d'Haïti, amis internautes nou yo.
N'a dit bien gagnant et dirigeant politique DJ Benel, qui est même installé comme nouveau directeur compagnie transport et scolaire. Ça ne l'est dit, hein? Jeudi qui était 12 décembre 2024, non? C'est directeur ministère financement Jean Bouko Jean-Jacques qui procédait à l'installation ça. Mais qui l'année boîte ça a souffri et aucun service pas vraiment capable de faire en dedans boîte. Compagnie service dit, amis, internautes nous yo. Qui donc jeudi, hein? En plus, on a posé question pour dire que est-ce que les compagnies services d'IT pourraient retourner à bail service comme ça droit, surtout là qu'on est en pile Simon, dans l'école nationale avec lycée puis collège, yo kon vraiment bénéficié de et moyens transport service d'IT yo dans surtout divers côtés en dedans pays, les amis internautes nous. Dans question sécurité, dans question massacre qui était fait dans Waf Jérémy côté et chef gang Wamika donc a dirigé zone agent les têtes liant, mais tout y est plaisir dizaines personnes que l'État qualifié comme moun qui dans sorcellerie, qui dans bagay mystique malfecteur, qui t'a touye petit li, mais il t'a décidé pour le capable à touye moun sa yo, bien que, je vous dis, en capable de dire, mais en pile moun nan wap, Jérémy t'a manifesté pour dire que Mika n'a pas bandi, Mika n'a pas touye pile moun yap di, et moun Mika n'a touye yo, c'est des moun qui est représenté comme malfecteur selon ça, de moun qui yo même. OK, qui te prend avec à manifester pour les vive Mikano comme et moun ka fait bien dans niveau balat dans niveau Waf Jérémy selon ça moun yo même yo fait konnen zami internautes nous. Gen chef parti politique force 50 qui qualifié révoltant sa capacité Waf Jérémy à Katrivé la Tibonite côté bandi a touye moun papil a capa paquet Wilfried Michel mandé autorité yo prend disposition pour finir à kazak violence yo nan pays yo li pas normal pour haïtien haïtienne à haïtien en même temps tout et puis continue à détruire l'autre capeté à KPM fils aimé mettez crampé en task force pour répondre chef gang Waf Jérémy selon ça qui dit bon côté Wilfried Michel qui mandé avec autorité yo pour prendre décision pour résoudre la situation ça face 50 critiquer action gang yo cap participer dans détruire pays ça ou pas comprendre complot ça gè la donne certains élites payant cap diriger seulement dans intérêt personnel yo dirigeant ça yo et pas jam travail pour intégrité mais pour intérêt peuple haïtien selon ça même dit comité élite contre moun organisé un atelier en faveur étudiant universitaire l'état d'Haïti jeudi dans hôtel Montana dans Pétionville activité ça organisé dans cadre d'un mémorandum entente qui était signé en temps et comité élite contre moun ak ministère et affaires sociales ak travail et directeur à université d'Haïti président comité a fait qu'on est toute partie ou t'es d'accord que mon nan c'est un gros crime, c'est un gros problème qui a attaqué dignité mon nan toute secteur nan société a droué pour te coller pour éliminer selon André Ibreus qui fait qu'on est situation ça zak violence vient augmenter dans pays et la cause en pile mon a quitté capital là pour aller l'autre côté et pour nous finir que doit être tribunal faculté droit mettre Eugène Pierre lui qui était présenté recteur université l'état haïtien non c'est monissa fait qu'on est UH là qui gagne mission formation à recherche a aider éliminer traitement dans société à comité national à UH là condamné pour travailler ensemble selon ça qui dit bon côté droit faculté de droit maître Eugène Pierre lui voilà messieurs dames point ça à divers autres mais il fait essentiel pendant toute semaine là sur mes nouvelles grâce avec confrère et puis consonnoyo dans la voix d'Amérique qui parle détail bano déjà bonne plaisir kay flambé you moun blessé en bakatouche ça c'est bien la tag groupe nèg exam fait dans la nuit mardi 10 pour mercredi 11 décembre 2024 là sur habitant ka vive Delma 19 moun ka vive nan Port-au-Prince pa ka rale yon sou fragment de 100 fois miloa qui passe suspend simela tout blay ak krasé brisé nan capitale attaque ça contre Delma 19 qui était deux bois balancé habitant ak propriétaire dans zone là. On l'a dans yo après raconter une nuit terrible ça. Tout le monde a boulé à essence et machine pas mieux. En total là, nous pas plus près, nous avons au moins de 10 machines. Concernant Caillou, c'est la fumée machine qui flambe, qui baille Caillou. Les cartouches sont obligés de bailler pour obliger de faire une basse sortie. Un monde qui prend 3 cartouches, il est censé l'hôpital lui-même. C'est pendant un temps de tirer, et puis nous prenons un temps de bailler après devant, et puis les mêmes ils font soulever. Dans la la Kailin, puis la gardé. Et pendant la garde, dans la la Kailin, puis la tiré sous lui. Selon propriétaire, qui a plusieurs machines qui brûlent,
pas gen l'état dans pays a. Si tu gen l'état, ça crive Delma 19 là, pas ta privé. Poser une question pour Mandel, est-ce qu'elle a quitté zone dans même Jacques en pile l'autre habitant fait ça pour aller réfugier dans l'autre quartier. Personne n'a fait connaître, il pas go ken l'autre côté pour aller. De la caille nous là côté nous pour aller. Pas gen l'autre côté pour aller. En dehors pour aller pas gen passage. Obligé de là pour garder pour ça n'a pas. La fait changer groupe gang yo gen contrôle plusieurs quartiers dans Port-au-Prince. Pour Pibiti, 80% capital la en bas contrôle groupe gang yo selon un rapport Nations Unies. Attaque groupe nèg exam yo dans pays là, faut que plus passer 700 000 moun pour quitter la caillou pour année 2024 là. Wilner Bossou pour VOA Creole depuis Port-au-Prince. Réaction continue à tomber en Haïti, tant qu'à l'étranger, après massacre chef gang Waf Jérémy Enfer, sous au moins 180 monde. Détail, Gentil Augustin Junior. Les États-Unis, gen la Pérez, et li condamné à toute force, rapport massacre sous au moins 180 monde, que yon chef gang en Haïti fait pendant week-end nan Waf Jérémy. Yon quartier nan commune Cité Soleil. Secrétaire la presse la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dit hier mardi 10 décembre. We are horrified. Nous avons la Pérez sous rapport que presque 200 moun en Haïti massacrés sans nécessité, Jean Sodia, par un membre gang criminel égoïste. Nous condamnons à toute force nos actes vicieux et criminels. Et puis, nous demandons à toute communauté internationale là pour camper immédiatement avec le peuple haïtien et puis bailler assistance avec mission support sécurité multinationale. Yon l'autre côté, nan yon note pour la presse qui publié hier mardi 10 décembre, ambassade américain en Haïti fait connait, ambassadeur Dennis B. Hankins ak toute équipe ambassade États-Unis exprimé profond condoléances li pour tout moun incident horrible ça affecté. Nan note pour la presse là, nou te kali. Pays États-Unis prend engagement pour le travail avec Haïti, avec police nationale Haïtia, PNH, ensemble avec mission multinationale CIPO pour sécurité, MMSS, pour rétablir sécurité dans le pays. Violence a multiplié. Moun ki rete nan quartier Postmachan nan capitale haïtien yon Port-au-Prince pété kouri kite kayou après yon attaque gang armé. Yon citoyen quartier ya ki pat ba non l di. Dans la zone, mes images nous replient dans la zone, là, vous voulez tout, c'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite, après ça, vous n'avez pas. Vodou, c'est une pratique gang yo utilisé pour protéger tête yo. Mais, pendant le week-end, yon chef gang te pral comme esquise pour massacrer pour pipiti 180 moun, d'après témoignage quelques citoyens. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Haïti toujours, avion a recommencé voler sous Port-au-Prince. Bureau Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé annoncé vol yo a recommencé dans la capitale là, Yves Manuel. Aéroport international de cette ouverture, il est encore opérationnel selon Notam A0053, Office national aviation civile publié dans la date 10 décembre 2024. Annonce ça, c'est une bonne nouvelle pour Haïti, mais ligne aérienne n'a pas qu'à recommencer tout de suite selon Philippe Baya, PDG Sunwise Airways. C'est une très bonne nouvelle que OFNAC publie notamment pour l'ouvrir, pour l'autoriser opérationnel. Cependant, il est difficile pour capable commencer tout de suite parce que il y a fournisseur d'avion, il y a gain assurance, parce que pas oublier que gain incident grave qui t'est produit il y a quelque temps, l'air t'est tiré sur avion Spirit Airlines avec l'autre opérateur américain. Donc il faut faire valoir à fournisseur d'avion avec assurance et puis l'autre fournisseur du service New York que situation rétablie. Si aéroport international Toussaint Louverture opérationnel, pas rien qui dit li pral recevoir très bientôt vol commercial yo bon côté compagnie aérienne. Pour rappel, aéroport est suspend activité yo 12 novembre 2024 après un événement malheureux qui est arrivé qui te compromet sécurité passagers et personnel yo. 3 avions parmi yo Spirit Airlines, JetBlue et American Airlines te endommagé en bas côte zam gang améo nan date 11 novembre passé. En réaction à incident ça, Federal Aviation Administration FAA te interdit tout vol commercial entre États-Unis et Haïti pour une période 30 jours.
interdiction 30 jours expiré 12 novembre ça nous pour connait s'il pral prolonger ou du moins s'il pral lever totalement. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Et puis dans l'international, la situation a toujours été compliquée dans le pays Syrie après une passation au pouvoir. Pendant ce temps, la Russie a même cherché sécurité pour base militaire et installation diplomatique dans le pays. L'autre détail, dans un petit moment. Dans Syrie, rebelles continuent à prendre contrôle de l'autre ville ancien régime. Jean-Aubert, et pendant ce temps, la communauté internationale lui-même a lancé appel pour une formation et un gouvernement qui n'a pas quitté personne dans le cadre d'une solution politique. Alors, on n'a pas ajouté sur ça, Jacqueline, ça a eu les stabilités dans le pays. Tout. Mais entre-temps, les réfugiés eux-mêmes ont commencé à retourner malgré l'hypocrisie clé exactement qui ça exactement rebelle voulait pour le pays. L'administration, political, army. Syriens continuent à célébrer la chute du président Bachar al-Assad qui vivent en exil depuis dimanche avec la famille dans Moscou. Rebellion continue à sillonner le pays pour prendre contrôle de la reste de ville. Jeudi mercredi, sous frontière syrienne partagée avec la Turquie, réfugiés rassemblés pour retourner la caillou avec espoir et une vie meilleure après plus passer une dizaine d'années difficiles passées dans la Turquie qui l'ouvrit deux ports pour faciliter le retour des réfugiés. Syria is a very rich country. Whether it's the resources or de facto Damas là, Yasser Gaza déclaré priorité pendant 3 prochains mois de transition, c'est la population service de base et puis diminuer problème bureaucratie. Il dit Syrie c'est un pays riche qui a des ressources, une fois gain une bonne administration et bien a gain l'argent pour servir peuple là. Premier ministre intérimaire Mohamed Al-Bashir déclaré objectif lui c'est faciliter retour plusieurs millions de réfugiés syriens, protéger les citoyens pendant les reconnaître la difficile à cause pays a gain longtemps il était en bas sanction et connait là pas gain assez de visas étrangers. Pendant ce temps appel à lancer pour nouveaux dirigeants yo jouer une solution dans intérêt peuple là. Suriye'nin toprak bütünlüğünün président Tchoukla, Recep Tayyip Erdogan dit qu'il espère stabilité dans Syrie qui se tient dans un accord à respecter les demandes du peuple syrien. Seguo quando sta venendo in Siria in questo momento. Pape François m'a rebellé pour stabiliser le pays et puis gouverner d'une façon qui encourage l'unité nationale. Le souverain pontife l'a dit, il espérait rebellé jouer une solution politique sans aucun autre conflit ou bien division. Porte-parole Kremlin Dimitri Peskov dit Moscou pas prend au sérieux parole qu'a parlé comme quoi Chit Bachar al-Assad là ta diminué influence la Russie dans Moyen-Orient. Porte-parole a ajouté pour connait là Moscou concentré sur Ukraine en même temps li en contact avec nouveaux dirigeants syriens. Naboyat tardit kard que onche leader suprême Iran Ayatollah Khamenei déclaré Iran des preuves qui montrait que chute Bachar al-Assad là c'est résultat d'un plan États-Unis Israël avec un voisin Syrie que le pas nommé. Président élu américain Donald Trump voulait pour États-Unis pas rentrer dans conflit à cause c'est pas bataille d'après un message limité sur réseau social lié à tout social. Pendant Saint-Jacques, les États-Unis étaient avec Gélouvry pour éviter que M. État islamique ne pas reprenne force pour reprendre le contrôle ou bien retourner encore en force en Syrie, Jacques. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis, de l'autre côté, tant que Jean-Robert Sodila, président élu américain Donald Trump, dit lui-même n'est pas trop intéressé pour que les États-Unis rentrent dans le conflit pays Syria pendant que le peuple syrien lui-même l'a célébré Deschouka et président Bachar al-Assad. Valérie Salut depuis New York. Le peuple syrien continue à célébrer des choukas et président Bachar al-Assad, qui était couru, qui était payé à le réfugier le Moscou. Mais avenir pays n'est pas clair, pendant que l'autre pouvoir dans la région a gourmé pour sécuriser l'intérêt. Sorti dans le sud, Israël a lancé une attaque pour affaiblir sa quitterité dans la force militaire alliée iranienne. Revenant Noah, rebelles qui étaient appuyés Tikyo, ont saisi quelques territoires, ce qui la cause Kurdes syriens ont couru jeté. Président américain Joe Biden a fait vite lancer une attaque aérienne sous cible groupe État islamique dans le pays Syrie.
États-Unis pour le travail avec matin New York, avec le monde qui a intérêt New York dans le pays Syrie pour aider à saisir une opportunité pour gérer le risque. Contrairement à ça, le président Eli Donald Trump a pris une approche moins intéressée dans causer ça. Il a certainement semblé tant que le monde a venu à une crise qui fou qu'on y a. Hayat Tahrir al-Hasham, rebelle qui a renversé le président Bachar al-Assad, c'est chef d'un groupe que les États-Unis désignaient comme groupe terroriste étranger. Pourtant, Donald Trump lui-même voulait que les États-Unis restent dehors dans le conflit syrien. Il était écrit pour le dire sur les médias sociaux, ça, ce n'est pas bataille nous. Tulsi Gabbard, choix que Donald Trump fait pour venir chef intelligence, là, dit que lui d'accord. Il est engagé totalement, j'en te dis déjà, pour mettre fin dans la guerre, démontrer la paix à travers force, et puis mettre intérêt sécurité nationale, et puis sécurité avant, sécurité et liberté, peuple américain en premier et avant tout. Mais avec Assad qui allait, Donald Trump a besoin de balancer position pour ne pas intervenir avec objectif les États-Unis pour protéger alliés de yo, tant que pays Israël là, à Claude Ball la rivière Jourdain et puis éviter que groupe terroriste retourne dans la zone là, tant que État islamique. Réduire accès à l'examen chimique, diminuer la capacité d'organisation terroriste qui est dans l'espace qui n'est pas gouverné ou soit dans l'espace côté que l'État État qui échoue, côté que personne l'autre monde pas qu'à faire. Moi, je pense que c'est un mouvement très intelligent. Et moi, je pense que c'est possible que le président Donald Trump a continué à faire ça. On a rappelé que pendant le premier mandat, il y a Donald Trump a été attaqué sous le régime Assad là, en réponse à l'attaque chimique. Mais il était concentré plus sur craser l'État islamique. Là. Il était été tout pour les troupes américaines sortir dans le pays Syrie en 2019 et puis quitter quelques centaines de soldats américains pour protéger mine pétrole. Donald Trump a critiqué dit que il a abandonné allié après Eritrea, pays qui a lancé offensif contre force kurdish qui a goumé ensemble avec soldats américains pour détruire l'État islamique dans le pays Syrie. Pour ça, Donald Trump dit et n'a cité quitter le marché, nous pas participer. Mais avec un pile intérêt les États-Unis gagnent en région, ça capi facile pour dire que pour le fait. Pour VOA News, Patsy Wadakasura. Adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Merci Valerio. FIFA confirmé 6 pays qui ont sorti dans 3 continents à organiser Mondial 2030 là. FIFA confirmé tout que Arabie Saoudite a organisé Mondial 2034 là. Arabie Saoudite était seul candidat et il passait par acclamation avec plus passé 200 membres et qui membres FIFA. Vote ça a été déroulé grâce à vidéoconférence et réunion te gen basé dans le siège FIFA dans Zurich dans pays la Suisse et jeudi mercredi et président Gianfantino était dans tête. C'est dans même réunion ça tout que il confirmé que pays ça n'a parlé de Maroc, Portugal, Espagne, Argentine, Uruguay, Paraguay a organisé phase finale mondiale 2030 là. 2030 l'a marqué centenaire mondial de 1930 là qui était déroulé dans pays Uruguay. Un groupe chrétien organisé une prière pour Haïti. Concert ça qui déroulé dans New York, qui rassemblé en pile vedette dans le monde musical évangélique. Restez branchés. Un groupe chrétien haïtien organisé un concert la prière en faveur Haïti. Glorious Nelson depuis New York. Jackson Cherry and Bridging the Gap, ensemble avec Radaka, organisé un conseil évangélique samedi passé dans Brooklyn, dans l'idée pour capable rassembler chrétiens haïtiens dans la diaspora et puis prier pour Haïti. Pour moi, si je commence avec haïtien diaspora qui États-Unis, qui en France, qui Canada, qui Allemagne, qui Angleterre, wherever we are, ou qui commencer à changer mentalité, ou dit yo. Li lè li tan pou lot nation sispann rino. Nou, yes, nou ka di, nou te premier ki indépendant, mais nou te premier, mais kounye nou dernier. Événement si la te également soirée célébration 30 l'année groupe charismatique ki rele Radaka. Guylaine Aristide, yon nan membre groupe si la, explique raison ki fè yo intégré yon dialogue sou situation pays d'Haïti nan programmation célébration. Pour que nous capable vraiment faire soirée ça tout non soirée non seulement de intercession de prière et puis pour nous soulever tous des points que dans pays nous que en pile nous cap vivre dans diaspora grand pas content parce que c'est ça fait nous pas connaît lui entre la caille nous chaque jour ses familles nous ses amis nous monde que nous connaît et des fois là n'a pensé avec ça qui passe en Haïti il est vraiment frustrant et il vraiment fait nous mal mais nous même nous pas perdre espoir parce que nous connaît nous son peuple qui fort
un peuple qui bon Dieu relé nous pour nous travail, pour nous faire une différence. Mais nous connaissons une différence, ça il prend temps pour nous arriver là, il prend un pile travail pour nous arriver là. Nous même qui gain capacité à nous voulons mettre nous ensemble parce que c'est ça lié pour nous mettre nous ensemble et spécialement spirituellement pour nous prier, pour nous demander bon Dieu pour libérer nous. Bertrude Albert et Tadia Toussaint qui t'a mené discussion sur situation Haïti à vivre là, quoi est important pour conversation ça continuer faite dans diaspora. Comme ça, plus moun va comprendre jan li important pour pote kole. C'est nous-mêmes qui ta doit travail pour changement dans pays d'Haïti. Moi kwè avec tout cœur moi dans la vie moi. M'a pwè yon Haïti qui différent. N'a pwè yon changement en Haïti, mais c'est nous-mêmes haïtiens. C'est pas l'autre pays, c'est pas l'autre gouvernement, c'est pas l'autre peuple, c'est nous-mêmes qui responsable pour nous partager aide qui que le pays a besoin pour nous pas perdre la foi, pour nous continuer à prier pour Haïti, mais plus que ça, pour nous plus engager. Organisateurs ont profité pour remettre des distinctions par Tadia et Bertrude et puis plusieurs autres personnalités pour le travail qu'il n'y a pas accompli dans la communauté haïtienne. Glorieuse Nelson pouvait voir Creole depuis Brooklyn, New York. Ou suivre rendez-vous info, pas de place. Jouyo a compté pour TikTok prend décision sous fonctionnement aux États-Unis après un tribunal rejeté appel compagnie en effet pour mettre en application loi que Congrès américain a adopté. Fred Gaimit. Jour a compté pour TikTok aux États-Unis après coup d'appel fédéral dans Washington vendredi 6 décembre d'anté rejeté appel réseau social TikTok t'est fait contre une loi qui exigeait compagnie chinoise Biden vendre ou bien combination interdit plateforme n'a fonctionné aux États-Unis. Décision ça mettait TikTok en bas gros pression à Congrès qui t'est fixé en date 19 janvier 2025 comme date limite pour Biden s'appliquer texte loi Congrès a été voté dans mois d'avril 2024 là. Loi ça yon gros majorité qui gen la dan officiel et li nan tout des partis yo te adopté, Congrès a te visé pour empêcher risque qui gen pour gouvernement chinois utiliser paramètres application mobile plateforme nan pour faire espionnage et manipulation contre utilisateurs aux États-Unis. TikTok plusieurs fois démenti parole ça qui fait quoi elle te transmettre données qu'elle collecter dans application li yo bay gouvernement Pékin. Biden, qui c'est compagnie qui a contrôlé plateforme TikTok l'a déclaré, il pas gen intention vendre application ça qui gen pile valeur pour lui. Juge tribunal côté où t'es fait appel, lui t'es décidé que loi t'es gain intention gérer contrôle une compagnie qui par une compagnie américaine cap fait collection de données sur utilisateurs cap vivre aux États-Unis. TikTok a Biden serait les lois inconstitutionnelles et a dit tout c'est une violation de la liberté la parole aux États-Unis. Loi ça pas entré en vigueur sauf si tribunal cour suprême n'a renversé lui ou bien Joe Biden, actuel président des États-Unis, t'a accordé une extension 90 jours dans date limite 19 janvier. Président élu américain Donald Trump qui brajita sous chaise bourrée dans Maison Blanche l'an 20 janvier 2025, yon jour après date limite là, te essayé déjà sous premier mandat li pour interdire TikTok, mais effort ça a été échoué. Cependant, li te dit avant l'élection présidentielle novembre l'an qu'il pas ta permettre interdiction ça entrer en application. Acteur haïtien de renommée internationale Jimmy Jean-Louis organisé premier vote signature livre li aux États-Unis qui relé héros. Luxon Saint-Ville, depuis Floride. Première partie soirée a été commencé avec projection d'Erance, un film qui fait Côte d'Ivoire dans l'année 2019. Erance, c'est nos familles caractère que je joue, hein? Mais c'est une histoire douloureuse de mon papa qui perdit petit garçon, les filles ne peuvent pas accepter fait ça. C'est un film dramatique qui semblait tête coupée avec ça qui a passé à Haïti. Participants qui étaient là, yo, dit yo tiré en pile leçon. Moi, je suis venu dans plusieurs aspects. Je suis dit, par rapport à ça qui a passé dans le pays, la situation du pays, c'est comme si où est le pays d'Haïti dans mon vie. Ça a venu rappeler ça qui a passé à Grécier, ça qui a passé à Solino. Il a montré que ça que nous avons vécu à Haïti, déjà, il y a un temps dans l'écran. Après projection, en deuxième partie a été consacrée à 26 héros, livre ça qui racontait certains parcours dans la vie de Jimmy Jean-Louis. La donne,
acteur a voulu faire passer un message bien spécifique. Moi, je suis héros parce que moi, je pensais que chaque monde supposé être le héros de propre Dipayo. Faut capable trouver outils, moyens pour venir héros dans le film pas. Si la vie ou son film lié ou supposé venir héros. Donc, c'est ou même pour trouver tout outils qui nécessaire qui viennent fort viennent héros film par. Lecteur et lectrice qui te répondent présent, yo dit que c'était important pour venir acheter livre ça et puis apprendre de Jimmy Jean-Louis. Pour acheter livre là, pour au moins pour un peu plus. Pour moi, lire et apprendre un peu plus sur lui-même, parce que je ne connais pas vraiment Jimmy Jean-Louis. Responsable Ebène, qui est en compagnie beauté, dit que c'était un devoir pour t'inviter Jimmy dans l'occasion 25 ans d'existence. Pour célébrer, je vais inviter Jimmy Jean-Louis, qui est un bon ami, parce que Jimmy toujours collaboré avec moi pour le bagage que je voulais faire pour Haïti. Après la France à Qatar, Jimmy Jean-Louis annonçait l'autre 26 livre là. Dans divers pays francophones, acteur hollywoodien espéré l'apka alcien héros en Haïti, yon fois vol yon reprend officiellement. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Tinville pour VOA Creole. Cindy Ducrépin, depuis Canada, a fait nous découvrir ou redécouvrir artiste français d'origine haïtienne, Joey Douette-Filé. Temperatia ki te desan ak moins 7 degrés Celsius nan Montréal, pa t'empêche an pil moun te fè déplacement pou asiste konsè artiste Joey Douette-Filé ki tap jwe full band nan sa espektak l'Olympia jou ki te vendredi 6 décembre 2024 la. Nan moins ke 2 et tan, artiste la tap pral délivre yon show pou publik Montréalais ki te rempli sal la et ki pa t'ezite mélange voyou ak li sou plizye mizik li te propose nan playlist soirée. Joey Douette-Filé te bati yon pati nan show sa sou interaksyon ak piblik la. Nan san sa, te gen yon mouman li te rezerve pou fè yon fanatik li chante mizik konfians lan ak li sou sèn nan. Nan playlist sa, te gen tout yon hit tan kou fèm voye ki fèk remporte single d'or nan peyi la Frans. Soare sa tap pral fini ak nouvo hit Joey Douette-Filé a 4 kanpe ki soti nan mwa oktob ki sot pase a. De jen patisipant sa yo t'aksepte ba nou impresyon yo sou soare sa, yo di ki te rive komble tout atant yo. Dans le fond, comment j'ai aimé la soare, franchement Joey Douette-Filé c'est un de mes artistes préférés. Puis franchement, il s'est donné à 100% malgré qu'il était malade. Fait que moi, je suis super contente. En plus, c'est pas la première fois que je le vois. Donc franchement, il a assuré. Puis j'ai rien à dire. Joey Douette-Filé, c'est vraiment un bon artiste. Concert Joey, on a beaucoup aimé. Il y avait l'ambiance, il y avait la fête, il y avait les Haïtiens et tout chéri, ouais. Et la journée boy music. On a hâte de revenir. Merci Joey. N'a pas rappelé, l'Olympia c'est un salle et spectacle qui était construit dans l'année 1925. Il est capable de 2438 monde. Adele, Ed Sheeran, Christophe Maé, Demi Lovato, c'est quelques autres artistes qui déjà passé sous scène ça. Cindy Ducrépin pour VOA Creole à Montréal. Mais pour la deuxième fois président élu américain Donald Trump personnage de l'année. Dans le pays d'Haïti, presque tout secteur dans la vie nationale a exprimé indignité pour massacre dans Tirivière, la Tibonite et dans Cité Soleil. PNH là, n'envoie porte-parole en après institution, Lionel Lazare, promet une réponse jam. Où est-ce que un point qui est actualité en Haïti, c'est la question qui est pour le massacre Waf Jérémien, côté un présumé chef gang. Touye pour pipiti 184 moun pi fonan yo c'est grand moun yon zak ki révolté société haïtienne nan ak communauté internationale. La police nationale d'Haïti dit même s'il pas en mesure pour bay chiffre officiel mais la bay responsable zak sa yon réponse solide.
pour Jean des Axayo pas jamais répéter encore dans pays. On pas qu'à dire c'est aujourd'hui, c'est demain et si ça 8h, si ça à 9h, mais la police nationale d'Haïti a bien une réponse très ferme par rapport avec ça qui passait au niveau de Waf Jérémie. Lionel Lazare accompagné porte-parole principal PNH là, Michel-Ange Louis Jeune ak porte-parole force multinationale soutien à sécurité a Jack Mbaka parle comme ça dans cadre présentation bilan différentes opérations ak intervention force l'audio menée dans département Latibonite ak dans département l'Ouest. Selon monsieur Lazare, dans région Latibonite, la police reprend contrôle 3 commissariats police qui étaient en bas main bandio, c'est commissariat Liancou, Tite Rivière Latibonite ak Ponsondé. Lidi plusieurs présumés bandits blessés mortellement dans boucantay coup de balle ak force l'audio qui intensifié patrouille yo, ça qui facilité reprise activité commerciale yo, circulation automobile ak marché public yo. Pour ça concerné département l'Ouest, Lionel Lazare fait connait yo récupéré local Radio Megastar, l'hôpital Efata ak Villa Rosa qui c'est un hôtel bandit occupé pour tirer sur la police ou bien sous population hein, pendant préciser que au commandement PNH lan adopté un plan stratégique sécuritaire solide pour non seulement permettre à ce que citoyens yo vaquer librement à occupation yo dans zone Pétionville, Delma, Maïgaté, périmètre externe aéroport international Toussaint Louverture, Solino, Tabac, Carrefour aéroport ak centre-ville, mais tout pour yo capable mettre en bacode tout bandi. Police nationale là a continué chercher bandi sans foi ni loi yo pour neutraliser yo dans l'idée pour permettre population si qu'il est libre et libre. Pendant ce temps, yon dirigeant organisation sociopolitique en Haïti, Léonard Jean Renaldo, mandé la police chercher arrêter tout moun qui impliqué dans vente bandi ou zam ak munition dans pays. Faut qu'on finisse avec système bandi ça côté, c'est des moun qui avec cravate, y a utilisé moun dans quartier défavorisé pour ba yo zam pour tuer frère nou. Oui, dans tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan. Malgré notre FEA qui prolongeait l'interdiction volio sous Port-au-Prince jusqu'à mois mars 2025, autorité ont persisté et quoi que aéroport Toussaint Louverture là pas qu'à fermer. Yo reportage Yves Manuel. Décision Federal Aviation Administration FAA qui prolongeait l'interdiction volio sous Port-au-Prince jusqu'à mars 2025 cap vini là tombé tant qu'un coup de l'eau froide sous autorité haïtienne qui a fait effort selon sa audi dans dernier jour ça pour faciliter opération aérienne reprendre dans aéroport international Toussaint Louverture. Président conseil présidentiel là qui chita parler avec responsable OFNAC et puis AAN estimé en aucun cas aéroport pas arrêté fermé. Leslie Voltaire. Aéroport pas fermé et puis nous pas bien réponse à fermeture ça parce que nous gagnons non seulement plus que 2 millions haïtiens qui vivent à l'étranger, mais nous gagnons un paquet d'étrangers qui fait aller-retour en Haïti. Donc, il n'y a pas arrêté fermé. Décision FEA vini dans un moment côté la présidence tamen visite dans deux infrastructures sao AAN ak OFNAC dans l'idée pour voyer un signal qui montrait plus gros porte entre pays en paré pour recevoir tout type vol avant Noël. Nous allons vérifier tout le contrôle là, nous allons vérifier aéroport là, administration aéroport là pour nous voir si avant Noël nous capable reprendre avec vol commerciaux haïtiens d'abord. Bon côté PAL, directeur général AAN, Yves Ducarmel François salue diligence CPT1 pour remettre en fonction aéroport international Toussaint Louverture. Même Jean ak Leslie Voltaire, monsieur François croit fermer port ak aéroport dans un pays pas profitable ak économie nationale. Le président est venu, nous sommes bien contents et puis nous croyons que ça va le faire tâche d'huile et va le permettre que l'autre partenaire nous a avec nous ou que qu'il y a des dispositions qui prennent au niveau de l'État. Restriction volio qui prolongeait sous aéroport reflétait inquiétude qui liait à la sécurité aérienne dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, voyageurs attendent avec une prolongation sous même restriction sa yo bon côté autorité canadienne, française et britannique qui t'a dû expirer
entre samedi 14 et dimanche 15 décembre qui vient là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, l'hôpital Médecins Sans Frontières, MSF, annoncé hier mercredi 11 novembre, dans un communiqué pour la presse, il a reprendre une partie de l'activité dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, tant que Cité Soleil, Cafou et Tabar. VOA Créole a fait une visite dans l'hôpital MSF dans Cité Soleil, côté un pays citoyen dans la population de Vinbaïsan. Décision ça vini 22 jours après responsabilité décidé camper travail à cause menace zak violence contre personnel ak passant yo. Mais yo reprend activité yo après yon dialogue yo dit constructif ak autorité yo pour garantir respect équipe la ak mission organisme la. VOA Creole, président Joe Biden fait un paquet de pardon à grâce présidentielle. Ça qui fait plus parler, c'est grâce totale li bay petit garçon Hunter Biden qui te commet crime fédéral. Restez branchés. Ici aux États-Unis, président Joe Biden a une décision historique changer peine pour environ 1500 monde qui étaient libérés mais qui étaient restés en détention la caillou surtout pendant la période coronavirus là. Li grâce 39 américains la justice coupable pour crime qui pas violent. La Maison Blanche confirme c'est plus gros série Zach Pardon à clémence dans un seul jour dans toute histoire moderne. Grâce présidentielle ça vini après président Biden était grâce petit garçon Hunter Biden qui était en contravention avec la justice qui lié à possession illégale d'arme à feu et délit dans affaire impôt. Président élu Donald Trump lui-même réfléchit pour tout pour grâce en avance pour monde qui t'a embarqué pour déblosaille 6 janvier 2021 monde qui t'a visé renverser résultat élection 2020 qui t'a metté président Joe Biden sous au pouvoir. Et puis États-Unis, Time Magazine dans yon deuxième fois, eh bien, élu président élu américain Donald Trump personnage de l'année. Valérie Saint-Louis. Time Magazine nomme président élu américain Donald Trump Person of the Year, personnalité année. C'est deuxième fois que Donald Trump joue une nomination ça dans même magazine. Trump qui débat vice-président Kamala Harris dans l'élection 7 novembre passé a paraît en grand titre sous couverture magazine. Côté que le chita, côté que la posé comme si la pensée dans une photo à cravate rouge li. Année ça te ouais condamnation Donald Trump sous accusation fraude dans business li avec presque deux tentatives assassination et année après le fini avec même Donald Trump ça qui a préparé pour retourner vin chita sous chaise bourrée dans Maison Blanche là avec une majorité républicaine dans tous des chambres congrès. Nomination ça que magazine Time la baille chaque année, c'est une reconnaissance pour personnalité qui pi influent pendant année. Pendant dernière année qui s'est passé là, yo parmi personnalité qui t'ai joint nomination ça, nous retenir Taylor Swift avec Vladimir Zelensky et puis Donald Trump lui-même qui en 2016 après défaite électoralité par Hillary Clinton là, t'ai déjà joint nomination Time Magazine ça. Après que t'ai dominé majorité événement nouvelle qui passait pendant année 2024 là, influence Donald Trump a continué les li prend présidence là dans mois janvier qui vient là. Well, thank you very much. This is an honor, a tremendous honor. I brought some of our compatriots along with us. They're going to do a beautiful job for you for the next 4 years. Merci. Eh bien, merci en pile. C'est un honneur énorme. Moi, venir avec quelques nos patriotes, nous, yo. Je vais faire un bel travail pour vous pendant 4 prochaines années, yo. Et puis, vraiment, ça, c'est un bagage très spécial. Et puis, moi, je dois dire, revue ça, Time Magazine. Moi, je vais honorer ça pour deuxième fois. Mais pensez moi pire mille fois ça vraiment parce que nous t'ai fait un bon travail nous t'ai gagné un bon premier thème malgré un pile tourment qui pas nécessaire mais média ont petit gens faibli kounia là yo pire mais nous kounia moi penser si yo pas fait ça nous pral gain pour nous juste camper en face encore et nous pas voulez faire ça. Nomination Time Magazine c'est un bel honneur pour un businessman qui vient tourner politicien jusqu'à ce que le vienne président. C'est tout un événement remarquable qui est réapparition Donald Trump sous scène politique là comme un ancien président qui t'a refusé accepter défaite li dans élection yo ça gain 4 années et puis retourner arrivé président élu qui t'a remporté la Maison Blanche sans discussion dans mois novembre passé. Donald Trump est programmé pour son cloche ouverte New York Stock Exchange en matin à 9h30. C'est une première fois pour lui. Et Donald Trump te dit que c'est un gros coquin chaîne honneur pour lui. Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York. Nouvelle administration américaine a paré pour lancer programme déportation en masse président élu a te promettre pendant campagne li. Et Jean-Robert Philippe et d'après quelques analystes responsables pas écarté possibilité pour utiliser militaires pour exécuter plan ça.
Effectivement, Jacques, c'est une grosse question qu'a posé là, c'est la débat central là. Est-ce que le président Donald Trump est capable d'utiliser les militaires pour aider à réaliser les promesses qu'il fait pendant la campagne présidentielle là? We're going to have the largest deportation in history. I'm not proud to say that either, but it's a tough thing to do. Après victoire dans l'élection 5 novembre, Donald Trump partage un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il va déclarer un état d'urgence nationale et puis déployer soldats américains pour aider le fait déportation en masse. Mais il n'est pas clair si oui ou non personnel militaire américain est capable d'utiliser pour qu'il promesse déportation président. It really depends on what exactly Joseph Noon, professeur de droit à New York University, parle pour dire il dépend de qui sa président voulait faire exactement, sous façon de voulait utiliser militaire, si oui ou non il voulait participer directement pour renforcer la loi ou bien bailler un support indirect dans une opération de déportation fédérale. Prochain responsable frontière États-Unis, Tom Homan, planifie une approche agressive qui met l'accent sur l'opération de déportation et puis augmenter la participation militaire. Nous pourrons mettre sous pied une opération de déportation massive et puis nous pourrons essayer de joindre plus de 300 000 personnes à l'administration qui l'a été libérée. Au monde, c'était un rapport du département de sécurité intérieure américain qui a été publié qui dit plus passer 32 000 mineurs sans parents ratés date rendez-vous dans le tribunal pendant plus passer 290 000 autres pas recevoir aucune correspondance. Expert immigration yo parlé pour dire ça pas veut dire si mon ça disparaît quelque parmi eux capable toujours habiter dans l'adresse te bail là. Aon Richlin Melnick, un membre conseil immigration déclaré, déportation en masse c'est pas seule option. Congrès a capable de créer un nouveau moyen qui est capable de déboucher sur un statut légal permanent pour monde qui déjà habité aux États-Unis, soumettre une application, passer une vérification casier judiciaire, payer un frais et puis mettre l'ordre dans papier. Comité judiciaire dans le Sénat a discuté ce matin ça défi déportation en masse à poser avec démocratie qui dit une décision comme ça capable affecter l'économie. Sénateur californien Alex Padilla a déclaré à cause gain plusieurs millions d'immigrants sans document légal qui vivent aux États-Unis, je dis à cap travaille dans industrie important pour toute économie américaine. Sénateur républicain John Cornyn, qui m'a dit pour respecter la loi, déclaré n'a pas appliqué l'ordre de déportation et immigration tribunal. Non pas accepté anarchie à criminels aux États-Unis comme nouveau nom. Effectivement, Jacqueline, il y a tout un groupe d'immigrants, les Dreamers, qui sont venus ici à Paris sans document légal, les Timon. Alors, il a demandé est-ce que eux-mêmes, tout, ils vont faire partie. Masse déportation, nouvelle administration à Paléa. Il y a un dossier à suivre. Merci Jean-Robert. Pendant cette population, continue à réjouir après effondrement régime Bachar al-Assad. Là, militaires israéliens a approché quelques zones dans Syrie. Détail avec Gentil Augustin Junior. Vidéo là, mais Israéliens ont publié, montre troupes li kap opéré dans zone tampon Nations Unies, qui sépare dans Mongolan yo, Israël occupé, ak territoire syrien. Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, te annoncé dimanche, li te bay l'ordre pour l'armée a saisi zone démilitarisée dans parti Mongolan yo, dans zone la Syrie te contrôlé. Après rebelle yo te déchouqué président syrien Bachar al-Assad. Yon porte-parole ministère affaires étrangères di, action militaire force l'armée israélien yo fait dans zone tampon dans région dans Mongolan yo, ta ka aggravé plus situation qui déjà très difficile dans la Syrie. Action force l'armée israélienne qui prend zone tampon dans la région Mongolan à quantité de zones parallèles, clairement violé les conditions qui n'ont accord 1974 israélo-syrien sous séparation force. Pendant ce temps, quelques citoyens syriens dévalisaient un building la mairie là dans l'Attakia, dans Syrie. Hassan Balouch, résident Halbasa, a déclaré. Mounio vini sit la pour prendre revanche sur Rissio. Sib mwen c'est pas citoyen pareil mwen. Objectif mwen c'est Rissio. Nous vini sit la parce que nous pas gen manger, pas gen de l'eau, pas gen électricité, nous pas gen rien. Nous pas gen ça qui pis simple yo dans la vie. Alors que leader rebelle yo mande Syrien yo pour yo retourner pour vin construire prochain Syria. Yani, nous doit bay Damas droit li.
Nous devons bali droit li nan rétabli dignité ak fierté peuple la et puis bâti li bien. Opportunité yo disponible pour nous ak moun ki té émigré, ki té cherché asile, ki té déplacé. Tout moun sa yo dwe retourner pour menanmen nous ka bâti prochain Syria si bon Dieu vle. Yon l'autre côté, yon groupe syrien déjà fait yon gros ligne sous frontière latine qui gagnait ak la Syrie nan Atay pour retourner la caillou. Yon américain qui était arrêté après l'été traversé la Syrie à pied pendant yon pèlerinage chrétien, ça gen 7 mois. Travis Timmerman, t'es parmi plusieurs milliers moun qui t'est libéré dans yon prison populaire nan pays a après rebelle yo t'est rivé Damas nan week-end. T'es déchouqué Bachar al-Assad et puis mette fin nan régime famille ça qui te dirait 54 l'année. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Vous suivez VOA Creole qui a porté actualité nationale et internationale et plus encore. Vous suivez VOA Creole. Donc, après ça, vous avez un marathon qui était organisé pour ramasser l'argent en faveur d'un musée. Obed Lamy. Vendredi soir 6 décembre, musée haïtien américain en Chicago, à Mok, t'es organisé une soirée gala pour ramasser l'argent pour financer le budget. Plusieurs invités t'es prennent la parole dans la soirée ça pour faire louange pour institution ça qui a préservé l'histoire à Kilti haïtien dans Chicago depuis 12 l'année. Dans le domaine n'a fonctionné, il y a un pile monde qui a fait activité pour chercher opportunité pour pop tête yo. Mais là on rencontre monde qui travaille pour améliorer la vie une l'autre, li facile pour ouais ça. C'est sous principe ça à Mok a fonctionné. Plus m'ba se tan nan misea en tant qu'universitaire, plus m'ba se tan ap apprendre sur l'histoire d'Haïti, sur ça nous réaliser, c'est plus m'vin wè clair ki jan mise ça, espace ça ak événement yo organisé yo important en pile. Nan yon sens, c'est Haïti nous kembe vivant. Avec exposition zèv artistique, conférence, formation dans l'école, soirée danse compas et latrier, Amok touche plus passé 5000 moun chaque année. Malgré impact ça, directrice la reconnaît yon défi. C'est si pour haïtien yo qui rete limité. Haïtien en général pas en Brésil. Sauf so, que jodi an son sorte de groupe international que là. Parce que li très difficile pour réellement prendre communauté haïtienne pour voir que musée son institution qui représente yo. Son institution qui là cap informé positivement. Mais il y a quelques jeunes haïtiens qui pas négligé pour te mettre en patte là, tant que Cam Suze, qui a découvert l'existence muséa seulement l'année passée. Le sentiment d'appartenance est presque perdu, même si mon haïtien est presque pas fier de ce haïtien. Il y a à chaque fois retombé sur un bagage qui a rapport avec l'origine, une institution qui a fait un travail aussi formidable dans la communauté. Je crois que chaque fois tombé sous l'eau, tombé sous la racine, nous sommes fiers de moi-même tout, en tant que jeune, pour que je contribue, que je sois motivé la génération panouan, pour que nous assumions la relève. Soirée a été finie sous une belle ambiance, côté public a été amusé dans la performance artistique, jouer de tirage et danse compas. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Robert Lamy. Pour fin d'année 2024, la DJ international haïtien Michael Brun bail un concert dans un club privé parisien. DJ a tout profité, mené quelques autres artistes invités ensemble avec lui, Takou Jepiri, Paul Beaubrun, Franklin Edouard Jedems. Abrien, pour tes détails pour nous. Yon club privé parisien recevoir DJ superstar haïtien Michael Brun pour un concert unique fin d'année 2024. Yon public mélangé, toute qualité nation, des jeunes haïtiens qui sortent tout partout dans le pays et qui ont un retour qui sortent directement États-Unis d'Amérique. Michael Brun, pour la plupart, t'exprimer lui en créole, en façon pour assumer l'identité. Ambiance santé électrique, tube sous tube, public la téléphone présent dans chaque diffusion morceau. On s'est à deviner qui chauffe toujours, c'est les invités surprises qui ont commencé à venir. J'ai péri paraître lui mettre diffé. Will William fait même bagaille là tout. Et Paul Beaubreu t'est accompagné avec Guital, lui mettre chalet dans le concert ça. Yeah.
Michael Breu, même gens avec public là et tout autre artiste, yo ressenti une satisfaction totale capitale. Tant que j'ai déclaré, si on devoir pour yo mettre pays d'Haïti en valet. Vraiment content là, me toujours aimé venir Paris. Ça est deuxième fois que nous jouons et choix ça c'est deux fois plus grand qu'on y est et n'a tourné encore quand même. Obligé, son responsabilité liée. Moi c'est pour moi même haïtien, pour me rêver dans niveau me dans musique. Son responsabilité pour moi qui a poussé culture haïtienne, musique haïtienne, manger haïtien. Et ma continue de travailler sur ça. Dernier bail que je me lague, c'était avec Richel Guillaume, John Legend. Il y a plusieurs autres bails qui sont venus bientôt. Et ma continue d'intégrer le compas, différents styles haïtiens. Et je suis fier d'Haïti. Donc, je toujours fait ça. Et puis, je me dis haïtien, c'est famille, frère, soeur, au moins nous là, on a partagé culture, on a partagé positivité pour le pays. Donc, je me sens énergie qui vient de joindre nous. Nous avons tout profité de poser la question sur la collaboration avec John Legend. Superstar américaine. Pour qui ça choisit Richel là dans la collaboration, c'est pas que l'autre artiste. Je n'ai choisi Richel. Je voyais plusieurs artistes pour lui, j'ai choisi Richel. Donc, je suis vraiment content que nous ayons la musique ça. Et bien, l'autre bar qui va venir bientôt. C'est à te fini avec joie. Et selon Fanatico, nous avons un goût continu. Michael Brun et son équipe, ils ont fait une prestation exemplaire. Formidable, c'était impeccable. C'était génial. Vraiment, plein de surprises, c'était génial. Franchement, ça a duré 1h45 et on n'a pas vu le temps passer. Check them, c'est Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Merci J-Dems, ou toujours sous VOA Creole. On va suivre un programme dans langue creole haïtienne, pas de place. C'est jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femme. Présentation et préparation, Yurmi Janit. C'est dans Maison Blanche Atlanta, 3e année Business Pilot Talk là t'est célébré, côté en pile dans mesdames yo t'est réuni pour yo capable parler business. Dans année précédent yo, c'est mesdames yo seulement qui t'est konn fait événement ça. Mais année ça, messieurs yo joine place yo pour yo capable participer ensemble avec mesdames yo, quelques nan yo t'est bay impression yo des événements. Et c'est un plaisir pour moi pour me là assurer pour me garder qualité coquine chaîne et conversation ça qui gagne soirée avec mesdames yo parce que yo invité plusieurs mesdames surtout dans question business yo vinn parler sur business et moi pense que soirée c'est une soirée extraordinaire parce que yo pas non seulement mesdames yo t'a vinn parler mais yo parler en pile business yo ba en pile information au point de vue business. Très belle réalisation soirée nous sommes trouel côté dans un concept de en chambre de nuit. Mesdames, yo mettez le pour en conversation autour de business. Quelques noms mesdames yo tant qu'ancienne consul général Haïti Atlanta, madame Woodline Nogargent, Lucita Simerville, ak Miss Rololo qui t'est performé pendant soirée, montrer satisfaction yo des événements. Parce que son événement qui t'a supposé continuer dans la communauté a, parce que non seulement la paix des femmes, mais la paix des familles autour parce que la permettre femmes yo indépendant. So demain si Dieu veut. Nous avons un pilote qui a un garçon là-dedans, qui vient porter information dans les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis à ce coup-là, le pilote là était extraordinaire. Le Bessie dit que lui voulait que moi performer pour lui, c'était avec plaisir que je décidé pour me faire. Et je dis à mon bon paquet de bonnes notes tout, et sous finance, sous différents bagages pour investissement pour real estate. Betty Fortuna, qui était organisé Go Koken Chain événement ça, dit lui reconnaissant. Parce que gen plis moun ki participe ane sa. I'm grateful because so gade comment nous commençons en 2022, nous avons 22 moun. 2023, deuxième année, nous avons 70 registrations, nous avons 60 qui devinent, nous avons 10 qui pas devinent. Mais année, ça nous avons 125 registrations, nous avons à peu près 80 moun là. Défilé en pyjama, musique, danse, remise cadeau, c'est qu'on s'assoirait à te fini. Yurmi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Mesdames, Messieurs, c'est avec une belle note ça que nous avons été fin dans le programme d'aujourd'hui. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et dans la technique, là, nous voulons remercier Mrs. White, nous voulons remercier Jean-Marc Hervé Abela, Samblier Mounourele. El Señor là. Et qui a fait environ un Moyen-Orient, quelques jours après rébellion, déchouqué président syrien Bachar al-Assad, nos moments de G7 ont rencontré à distance pour discuter sur la sécurité mondiale là. Immigrants qui sont en Amérique latine n'ont pas pu faire, pas qu'on est si oui ou non, ils doivent demander asile sur frontière États-Unis partagée avec Mexique ou bien retourner dans le pays d'origine. Et puis en Haïti, le gouvernement haïtien prend engagement pour croiser les négamés qui ont longtemps depuis à faire population monter et m'a suivi.
Une autre fois, on a de tout le monde et on a surtout passé un bon week-end. Le gouvernement haïtien a annoncé qu'il va mener une opération Cérébroulon contre tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat qui s'est passé 200 personnes dans la Cité Soleil. Où est-ce que c'est? Chef CSPN, Alix DJ Fizeme, dans le cadre d'un point de presse, accompagné membre Sictusa, ministre Justice et Sécurité publique, M. Patrick Pellissier, ministre intérieur et collectivité territoriale, Paul-Antoine Bien-Aimé, avec DGPNH, Nomil Rameau, promettent pour renforcer l'armée d'Haïti avec la police nationale d'Haïti sous plan technique et financier pour capable rétablir l'ordre et sécurité dans quatre coins pays d'Haïti. Premier ministre Fizeme dit considérer les policiers haïtiens comme héros national pour bon travail les dit y a fait contre phénomène banditisme dans le pays. Dans ce sens, il fait connaître li déjà passé l'ordre by ministre économie et financement Alfred Metellus pour doubler 4 débits tout agent police. Tout policier à partir du 1er décembre il a besoin de 4 à l'a doublé et avant et début et semaine prochaine il a besoin et sous 4 là. Deuxièmement, gain personnel non policier à ça nous les personnels administratifs là et la 50% augmentation. Premier ministre Alix DJ Fizeme qui souhaitait condoléances à tout le monde qui victime en bas violence gang armée, mandé ministre Justice et Sécurité publique M. Patrick Pellissier prend toute disposition pour non seulement mettre en bas code tout individu qui impliqué dans massacre Waf Jérémien avec la Tibonite, mais tout travail pour victime yo capable joindre justice et réparation. Tout le monde qui fait massacre au ministre de justice, ou même avec DCPJ, dégagez-nous, fais bon dossier pour nous camarader les gens au coup crabe. Bandit, il faut que vous jouiez ça au mérité. Et victime, il faut que vous jouiez justice, réparation et sécurité. Premier ministre Alix Didier Fizeme, toutefois, mandé population collaborer avec la police. Lidi y a travail sur un plan économique pour remembrer business bandit crasé ou bien boulé yo pendant le mettre accent sur sécurité, constitution et élection, j'en sa prévoit dans l'accord 3 avril 2024 là. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Déclaration Premier ministre en fait sur question insécurité a pas empêché nèg armé continuer à opérer dans à l'entour capitale là Port-au-Prince malgré annonce ça pour dire que l'a metté main sur tout monde pour le traîner devant la justice. Une correspondance de VOA Créole. Jeudi vendredi 13 décembre 2024 là, activité haute a fonctionné timidement dans plusieurs zones région métropolitaine Port-au-Prince là, tant qu'on a zone Delma 19 Poste Machin, la li pou cite sa ou seulement. Zon si la yo ki kounya toune yon véritable champ de bataille entre force de l'audio ak gang armé yo ki pa suspend marché sous population. Depuis 3h du matin, population Front National levé de kite kabani yo levé tellement coup de balle ap chante partout par là. Gen moun ki getan pran ti paquet yo. Moi-même personnellement, moi-même en tant que journaliste, moi-même mwen getan pran tout bagay mwen net, mwen getan mete yon ti côté. Pou se sa ka ou, mwen tande moun ap menèg yo ap vini et puis moi-même pou tout pran ti res paquet mwen et puis pou m'aller. Ba yo vraiment difficile nan au niveau de Front National et population en sous tension. Nous avons les 2-3 heures du matin, ap tande yon pile coup de balle à distance. Le moins à chercher gain contrôle parce que moi déjà en victime parce que m'ba nan bata bandi m'ba en affaire à gang do la game nan la rue côté que le moi même moi prend m'a chercher moi ainsi pour me courir pour moi qui route pour me faire le moins lever tête moi garder moi la fumée à distance bandi même rivé mettre tifé dans bâtiment l'école nationale Horace Ketea qui dans avenue Poupla et puis bouler plusieurs caillou. Ça qui la cause en pile l'école et commerce qui dans zone ça arrêté à porte fermée devant situation si là yo parti politique Famille Lavalas dans une note qui chargé à critique mais des conseillers présidentiels yo pour craser ou quitter ça si yo pas capable répondre à besoin population qui pas suspend courir tribo pas bon contre gang armé yo dans note ça qui daté 13 décembre 2024 la stricte politique la rappelé intégration dans transition ça c'était pour encourager l'ordre démocratique retourner dans pays dans organisation élection combattre insécurité à corruption tout. Dans même document ça, parti politique a fait connait, yo pa supporter tout direction transition ça prend.
Faut que nous rappelons, c'est représentant parti politique Fermi Lavalas, Leslie Voltaire, qui a coordonné le pouvoir transition depuis 7 octobre passé. VOA Creole, Port-au-Prince. Organisation Humanité Médecins Sans Frontières a commencé le travail partiellement, moins que un mois depuis qu'il a été fermé, sans santé pour raison de sécurité. Wina Bosso, pour plus de détails. Après environ 3 semaines, côté où il a été activité dans Port-au-Prince, l'Organisation Humanitaire Médecins Sans Frontières reprend l'activité dans la capitale. Médecins Sans Frontières a été suspendu l'activité dans la capitale à cause de pression et menace personnelle qui a été ciblée dans quelques policiers. Après Chita Palé à gros chabrat dans la tête de la police, l'organisation humanitaire qui a plus passé 20 ans la opérer en Haïti a recommencé à accueillir de nouveaux patients. Alexandra Ossage, qui est chef adjoint mission en Haïti, a expliqué les raisons qui font reprendre l'activité. On a repris nos activités après 3 semaines de suspension, parce que pendant ces 3 semaines, en fait, il y a énormément de consultations qui ont été menées par Médecins Sans Frontières avec des acteurs de haut niveau, des acteurs politiques, les supérieurs de la police nationale haïtienne. Yon lot bo, Humanité a expliqué que c'est un réouverti partiel parce que tout centre qui n'a pas au prince pas ouvert. Sur 400 MSF dans la capitale, là, c'est 3 qui a fonctionné. Pour jeudi 12 décembre, selon le docteur Isaac Danara, qui a travaillé dans MSF, dans Cité Soleil, il a expliqué qu'il recevait une vingtaine de patients. L'activité reprend normalement parce que nous avons passé plus que nous hier, que nous avons besoin de tout le monde. Donc, nous avons environ 20 personnes. Donc, l'activité reprend, je pense que nous sommes habitués à venir. Dans la visite, nous avons senti le soleil. Là. Nous avons parlé avec un malade qui était pris en cartouche dans Saint-Île. Si ma chaîne a expliqué comment elle était arrivée victime. Ça, c'est un homme qui a vendu le monsieur Joseph dans la situation de tigre. Nous avons vendu le monsieur Joseph dans la situation de tigre. Nous avons vendu le monsieur Joseph dans la situation de tigre. Nous avons vendu le monsieur Joseph dans la situation de tigre. Port-au-Prince coïncidait avec un collègue de sang. Côté citoyen, ville de sang. Pour sauver la vie de monde qui est en danger, monde qui a besoin de sang. Yodonè, tu as expliqué les raisons qui motivent le vin bay sang. Je toujours dit, et il y a un goutte de goutte de sang qui est capable de sauver la vie 10 et plusieurs grands monde qui a vivent dans la société à l'oublier. Nous vivons dans une société qui est déplorable, avec des gens qui sont malades, qui n'ont pas de possibilité pour être capable de jouer sang. Nous choisissons de mettre tête nous ensemble pour nous capables de bailler ça, pour nous contester, pour nous capables d'aider les grands monde qui n'ont pas de jouer sang. Nous avons fait songer tout le gros centre hospitalier dans le pays, l'hôpital général fermé. En plus, sans santé dans le pays, si nous sommes qui en bas la ville, nous fermé à cause de violence gang. Wilner Boussou, pour VOA Creole. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a fait une conférence ensemble avec le ministre des Affaires étrangères de Turquie à Khan Fidan, déclaré jeudi vendredi qu'il y a un accord sur plusieurs points avec la Turquie, entre la Turquie et les États-Unis, sur sa retard mais dans Syrie, après la chute de Bachar al-Assad. Le pays a dit d'abord que le gouvernement provisoire syrien a gagné une participation tout secteur. Il y a un gouvernement qui a protégé les droits minorités avec forme sans ne pas poser aucune menace pour aucun pays voisin. La Syrie. Ici, aux États-Unis, commission transition a travaillé sur cérémonie prestation serment président élu Donald Trump 20 janvier 2025. Président chinois Xi Jinping pas présent dans la cérémonie prestation serment président élu américain Donald Trump. Barrio Saint-Louis. Président élu américain Donald Trump invité président chinois Xi Jinping et l'autre leader étranger dans l'inauguration dans la date 20 janvier qui vient là. Mais yo poko konnen si youn nan yo planifié pour participer dans la cérémonie qui déroulait d'habitude sous escalier Capitole américain. Porte-parole gouvernement transition Donald Trump, Caroline Levy, te dit Fox News,
li poko déterminé si président chinois Xi Jinping pral accepter invitation Trump la. Une invitation qui était faite dans commencement mois novembre nan, yon titan après que Donald Trump te bat vice-président Kamala Harris et gagne un nouveau mandat 4 ans dans Maison Blanche la. Porte-parole la pat nommé leader mondial yo qui était invité yo. D'habitude c'est ambassadeur pays étranger dans Washington ak l'autre diplomate yo qui compte témoin dans cérémonie transfert 4 ans pouvoir présidentiel là ici aux États-Unis. Mais c'est pas jamais chef gouvernement yo. Archives département d'État qui datait de l'année 1874 montrait que pas aucun leader étranger qui était jamais participé dans une inauguration présidentielle aux États-Unis. Mais porte-parole gouvernement transition Trump là, Caroline Levite, t'a dit que invitation leader dans cérémonie qui va dérouler pas de Capitole là à midi dans 6 semaines qu'a venir là. C'est un exemple dialogue ouvert que président Trump voulait créer avec leader pays qui pas seulement allié nous yo, mais adversaire nous yo à compétiteur nous yo tout. Li dispose parler ak n'importe moun et puis li pral toujours mettre intérêt Amérique là en premier. Président chinois Xi Jinping répond invitation Donald Trump voye bali pour ta vin participer ensemble avec li nan inauguration. Li dit que le pape vini, mais pour remplacer l'a voye yon délégation au niveau. Donald Trump est menacé pour imposer gros tarifs sur exportation chinoise dans pays États-Unis en partie pour pousser Beijing kwape circulation drogue qui rele fentanyl là dans pays États-Unis qui katouye moun et en même temps renforcer la vente produits américains dans pays la Chine. États Unité imposé tout une date limite 19 janvier la veille inauguration pour compagnie chinoise qui propriétaire plateforme TikTok là qui relait ByteDance vend application réseau social là au soir fait face à une interdiction dans pays États-Unis. TikTok a gourmé contre interdiction ça dans tribunal. Semaine passée TikTok t'a perdu une offre pour bloquer interdiction mais plateforme là a fait appel ca dans cour suprême là. Hier jeudi Donald Trump pendant une apparition dans New York Stock Exchange côté que le sonné clocha pour ouvrir marché là. T'es dit que t'es réfléchi sur inviter quelques monde à l'inauguration, hein, sans lui pas faire référence à personne monde spécifiquement. Pour côté pali, Kremlin t'es dit que président Vladimir Poutine qui dans la guerre qui craint que États-Unis a supporté pour presque 3 l'année, pas de recevoir une invitation pour inauguration Donald Trump. Porte-parole gouvernement transition Donald Trump, Caroline Levite t'es dit, leader mondial a aligné pour rencontrer avec président Trump. Parce que yo connaît, libéral retourner bientôt sous pouvoir et puis rétablir la paix avec force américaine à travers le monde. Là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Président français Emmanuel Macron nommé Alexandre Isli François Bayrou comme premier ministre après parlement et voté pour envoyer ancien gouvernement. Bayrou qui a 73 ans, c'est un partenaire important dans l'alliance centriste Macron. C'est une personnalité que monde bien connaît dans la politique française depuis plusieurs dizaines d'années. Expérience politique li fait li important dans l'effort pour établir stabilité pendant aucun parti politique yo pas gagné une majorité dans l'Assemblée nationale là. Premier ministre là gagne pour former un nouveau gouvernement. Dans l'autre point qui a dominé l'actualité, immigrants qui ont voyagé dans un train qui a transporté marchandises dans la ville Mexique quittent les rêves américains derrière à cause de promesses de déportation Donald Trump alors que un groupe a foncé pour traverser frontière Mexique partagée avec États-Unis avant 20 janvier 2025. Gentil Augustin. Immigrants qui dans ville Coatzacoalcos dans sud-est Mexique tapent pour monter dans un train transport marchandises pour mener yo dans ville Mexique lundi 10 décembre. En pile nan moun sa yo di agence Nouvelle Waters, yo abandonné rêve yo te gagné pour entrer États-Unis. Yo te cité comme obstacle politique migration estricte président Eli Donald Trump plan ak autorité migration mexicain qui campé en croix. José Daniel, immigrant vénézuélien dit nous désespérés. Nous te voulons arriver dans la frontière Mexique avec les États-Unis avant fin année ça. Mais avec l'autorité migration mexicaine yo k'ap ban nou problème, li vin impossible. Nous pas joindre l'autre moyen pour nous arriver sous frontière ya. Pendant yon groupe ap kase tête tourné, yon nouveau caravane immigrant parti kite Tapachula, état Chiapas, ville frontière sud mexicain ak Guatemala. Bien bonnet jeudi 12 décembre pour tenter arriver aux États-Unis avant inauguration président Elia Donald Trump 20 janvier 2025 là. Gilberto Rosales, immigrant Honduras déclaré. Nunca pensé abandonar mi país. Moi pas jamais pensé moi ta quitter pays moi. Moi pas jamais gen rêve américain. Mais situation kounye ya ak gouvernement président Honduras la, Xiomara Castro ak famili te forcé moi quitter pays ya. Environ 3000 immigrants qui sorti nan pays tankou Venezuela, Honduras, Haïti, Cuba ak lot moun
a prend route frontière non Mexique là. Yon façon pour yo gen temps traverser États-Unis à cause conditions difficiles yo rencontré dans pays origine yo. Et yo permis plus sévère pour appliquer pour asile. Nestor Pina, yon immigrant vénézuélien dit Moi mande président républicain Donald Trump pour réfléchir à quel parce que li gen yon fami tout. Nous pral seulement chercher travail et puis montrer ki moun nou même vénézuélien yé. Moun kap travail di juste ça. Trump te promet déportation en masse immigrant illégal yo ak yon gros répression sous immigration nan même jour inauguration 20 janvier 2025 là. En pile immigrant ki nan voyage ça ap sibi gros injustice. Yo bat yo, yo viole yo, yo force yo commet crime et yo même touye yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Une organisation dans Chicago, Illinois, ici aux États-Unis, organise une séance formation pour montrer immigrants haïtiens qui jan pour yo comporter yo face à force de l'ordre yo. Obed Lami. De pour où monde a arrêté nous, moins l'outil plus bon pour nous. Environ une vingtaine de migrants haïtiens dans Chicago ont participé à une formation samedi 7 décembre sous le thème qu'on est droit ou. Objectif là, c'est aider à préparer pour faire face à ce changement. L'administration Donald Trump l'a fait dans l'immigration aux États-Unis, l'a monté sous pouvoir 20 janvier qui va venir là. Yo doit préparer yo. Et si ICE arrête yo? Est-ce que yo connaît numéro alien yo? Est-ce que yo connaît numéro téléphone yo zami ou sinon yo famille? Si yo gen petit, est-ce que yo établi un plan pour décider qui est qui prend responsable ti moun sa? C'est sous quelque bagay ça yo doit commencer penser. Est-ce que yo gen compte la banque? Est-ce que yo gon zami yo fait confiance? Avocat Daphné Camilien encourage migrant yo pour créer un plan immigration qui gen quelques éléments tant coup. Toujours marcher avec pièce identité, pièce qui prouvait statut migration ou soit ses cadres résidence ou sinon papier programme humanitaire. Et puis bayon moun nou fait confiance kembe photocopie pièce sa yo. Participant yo te pose question et exprimer inquiétude sur situation yo tant que Madeleine qui nan pays a depuis plus passé 10 l'année mais qui poko gen statut permanent. On pas connaît si limite temps. Pour un étranger capable de demander de faire application pour asile ici. Moi, je pensais que c'était plus long, mais pas qu'on ait des limites comme ça. Moi, apprendre tout, quand même, il y a quelques petits portes de sortie pour une série de situations qui sont plus complexes. Il y a une chose que je apprends et je trouve qui est intéressant, c'est que DHS permet de faire plusieurs cases. Vous êtes capable de faire plusieurs cases à la fois, vous êtes capable de faire programme parole humanitaire là, ou faire TPS et pour faire asile à la fois. Ce n'est pas seulement les migrants, mais les organisations qui travaillent avec les migrants tout, tant que le Congrès haïtien pour fortifier Haïti. Qui organise formation ça déjà commencé tous ces manches chemises yo pour faire face à nouveau politique immigration qui a venu yo. Nous commençons à préparer pour ça. D'ailleurs, nous avons une plus grande place pour nous recevoir mon yo et nous travaillons avec des autres organisations qui aident nous aider communauté. So, nous avons un plan pour que nous aider mon yo, mais nous avons en pile référence tout l'autre organisation qui a fait même bagarre qui a aidé nous aider communauté. Obed Lami, pour VOA Creole depuis Chicago. Et puis jeudi, vendredi, le week-end a commencé. Pas oublier, soit conduire machine pour ne pas consommer alcool et soit consommer alcool pour ne pas conduire machine. L'entourné nouvelle dans le département nord pays à Gérard Maximo. Nous allons faire une pause avec Jean-Mino Gérard Maximo. Dans le département de nos pays, il y a un monde qui est le monde Jean-Gilles, ou bien Grand-Gilles, qui représente un gros défi dans la zone pour chauffeur. Gérard Maximo. Son véritable enfer pour le monde qui a sorti Port-au-Prince pour entrer dans la ville cap-haïtien qui est obligé de passer sur la route nationale numéro 3 par plateau central pour arriver ici là, dans le monde Grand-Gilles. Depuis environ 3 mois, route ça est praticable. Chauffeur ça qui pas vle visage li paraît fait nous connaître. Li gen 17 jours la souffri nan monde ça. Li critiqué employé TPTCO qui selon lui
a pren l'argent pour aller machine qui bloqué dans mon nan. Ou pas moi ça fait me disque 17 jours là depuis m'a souffri. Mais ça là qu'on y actuellement là son bail qui là depuis plus que 3 mois. Depuis n'a souffri là, chauffeur a souffri, moi même bien 17 jours là. Actuellement là nèg matériel son là il va être loin là. Son seul bail a yo fait là seulement, vin pour sol là. C'est pas être là et faire chauffeur pour sol pour yo et puis en même temps petit cop qui ramasse yo paye yo puis même là on quoi c'est aller quelques graines gagne monter. Gale ket gen kanyon monte pou ti mwayen ki yo kouche nan men mwa. Ou nan lot kanyon frete yo nan demen le yo vin anko yo fè men bay la. Le yo prale nan wè midi yo fouye tou apiret se jispou ka toujou ete la vida. Minis TPTCA, enjenye Rafael Osti, ki te prezan nan yon delegasyon ministeriel ki devine vizite de Galapi a fè nan vil Kabayisyen fè konen, minister lap dirijyen, delege yon group teknisyen, pour commencer travail dans mon grand gil délégué on groupe on est au groupe technique de visite qui a travaillé dans mon grand gil nous pas dit que mon grand gil va censé qui va résoudre aujourd'hui mais dans pour ton première amélioration parce que mon grand gil demandé on étude plus poussé d'après ministre TPTC pour gagner un montant qui disponible pour une compagnie travailler sous mon grand gil pour résoudre problème là selon ça l'été discuté avec premier ministre haïtien Alex Didier Fizeme difficulté qui gagne dans mon nan gaz pas ka entrer dans ville au cap Gérard Maxino cap haïtien pour la voix de l'Amérique. Programme ça a passé sur toute plateforme avec affilié à créole chaque jour sur lundi pour vendredi 4 tapant rebrancher n'abtonne. Et puis jeudi à ce vendredi, c'est le journaliste Jude Onse présenté une nouvelle sur Vedel avec musique haïtienne depuis l'État Floride. C'est dans Coral Springs Performing Arts Center que soirée traditionnelle art, culture, exposition avec danse organisée par Radio Haïti Amérique Internationale t'est déroulée samedi passé en présence plusieurs centaines d'invités qui te répondent présents à l'appel. Sorti dans coup de tambour Jawento, traversé dans performance régionale Polycar and Friends, en passant par Annie Alert and Band, rivé sous Ta Famille Soleil en solo, sans nous pas oublier comédien Jester Mesidor avec Group Strings, événement culturel là t'est atteint objectif li. D'après principal organisateur Leslie Jacques. Bon, écoutez, nous promettons une belle soirée et nous délivrons une belle soirée. Donc, de ce côté-là, on est très satisfait. Mais c'est vraiment dommage que nous n'avons pas eu la grande foule parce que nous avions choisi une grande salle, un théâtre extraordinaire. Mais les gens sont encore là. Le spectacle est terminé, ça fait quand même un bon petit bout de temps. Les gens restent. Et ça vous dit tout simplement que les gens sont satisfaits. Est-ce que je suis satisfait? Certainement. Nous pas fait le Cancou Festival. Avec la vie, il fait deux musiques et puis l'aller. Nous faire un bagage pour que nous n'ayons au moins 40-45 minutes que le jouer. Pour que le public soit capable. Son travail n'a pas fait. Son travail pour la musique d'écoute. C'est que musique dansée, à Mounal danser, il est toujours marché. Nous bien contents. Mais en même temps, nous n'avons pas qu'à suspendre tant de musique. Donc c'est travail ça que nous avons fait. Li important pour nous signaler que un moment difficile soirée a ces problèmes sonorisation pendant performance Annie Alert qui était obligé chanter sans orchestre pendant quelques minutes avant de fixer problème non. Annie Alert t'es dans micro nous après performance li. Une bagarre que me réaliser soirée haïtien même en pile. Vraiment reconnaissant pour ça parce que malgré son au commencement t'a bail petit problème yo campé yo t'a capé là avec ça prouve que c'est pas le son c'est la personne en soi c'est haïtien qu'on connaît haïtien nous pas capable mentir sur ça pour année 2025 à venir qui grand projet que nous doit attendre nous de année alerte. Ah bon m'a travaillé en pile parce que me senti que nous misait trop temps en route nous passait trop temps en route moi c'est 2025 là vraiment fanatique pour le rester content malheureusement moi j'ai une très mauvaise nouvelle et que et jusqu'à présent m'a goumé avec et ex staff qui était qu'on a dirigé maintenant m'a peut-être perdu nos années alerte là mais c'est pas nous pas perdu voix nous pas perdu talent m'a continuer chanter rien pas qu'à bloquer me sauve ça bon Dieu créer les hommes pas qu'à craser non ça veut dire n'a perdu nos années alerte parce que jusqu'à présent m'a goumé légalement pour avec causer non, Annie, elle est là, mais nous ne pas quitter la musique, nous continuer de travailler. Pour une nouvelle souveraine d'être, vous souvenez de la créole? Non, pas, c'est juste où on serait, Miami.
Brésilienne Cassie Avolare, qui a 82 ans, retenez attention à nous, monde que li battu un paquet de grimpeurs qui jeune passé li que cap escalader zone rocheuse colline Moro da Uca dans Rio de Janeiro au Brésil. Cassie Avolare dit ça fait le gain bon condition physique ça ça cause régime végétarien là qui donc li pas manger viande, li fait exercice régulièrement et puis li prend vitamine C pour pas gain plus pli dans col. Alors préparateur physique Volare Raphaël Rainer même grimpeur tout qui gagne un calage n'a pas qu'à comparer avec dans force li dans forme ni et dans bonheur li. Mes amis, nous avons là été que fait jodi dans la voie d'Amérique service que là. M'a quitté nous avec ça qui t'a passé. C'est toujours un privilège pour moi chaque fois que moi gagne occasion ça pour moi venir parler avec nous. Pour que ensemble nous analyser, nous garder, nous questionner, ça gagne comme information. Et laissez-moi dire que bandi armé, criminel, sans foi ni loi, yo, yo pas campé sous les séries attaques, y a fait sous population haïtienne. Parce que dans la soirée qui était exactement 12 décembre, non, gagné bandi coalition vivre ensemble, nèg yo piqué difé non l'école Horace Etéar dans Ravine Pétat en les têtes maintenant qui débouché sous et mon dédé. Je dis le continuer mandé. OK? Moi veux continuer mandé avec nèki gezam nan mais yo bandi a sapatio. Qui ça vous voulez vraiment? L'homme dit qui ça vous voulez, ça veut dire qui ça? Je dis alors pour l'école nationale qui n'a une communauté, qui n'a une communauté, elle veut dire, dans un quartier défavorisé, déjà pas même gain en quantité, non? Mais si ça gagne yo, mais qu'on y a bandi yo, prend l'école sa yo comme cible. OK? Alors que l'école nationale ça qui dans l'école nationale Horace était là, c'est une école nationale parmi toutes les écoles nationales qui dans Ravine Pintade cap des avec Simon Lalu Simon qui dans périmètre là et précisément Simon qui dans fond national Solino Nazon, Poste Marchand, Avenue Pouplard, Crissois, tout côté comme si, qui aux alentours l'école ça. Et puis je dis, hein, les gars qui ont décidé de bouler, du coup, on pose nos questions. Est-ce que ce système non qui mettait l'école là? Ou dis-moi, est-ce que ce système non qui m'a dit, nek armé sa yo, boule l'école kounya. Boule l'école. Parce que, moi très mal comprendre, les que je dis, nek yo décide cibler, nek yo décide continuer à faire zam ki nan me yo an. C'est moun ki semble avec yo an,
C'est moun qui nan misère avec yo. Hein? C'est moun qui nan souffrance avec yo. Hein? Et c'est même moun sa yo, y a touye, y a violé, y a mette dife, y a crasé, brisé sou yo. Est-ce que c'est système nan mande fè ou ça? Ou dis-moi est-ce que c'est système nan même qui dit nek yo crasé brisé? Parce que en sérieux messieurs dames. Gran pin la nou k ap gade capteur dem la qui c'est moun nason, qui c'est moun krisoa, qui c'est moun fond national, qui c'est moun solino. Et monsieur est certain. Moi je suis certain. Gen yon pile nan nou ki gen un proche nou ki te passé nan l'école nationale sa. Et kou nan an comprendre bien. Si nèg ou commence à bouler l'école surtout l'école nationale. Eh bien, l'école nationale ak lycée ki nan zone fraye gang sa, Yon met veye zo yo. Et la police est puissant. Malgré un pile j'effort que la police a fait, mais il est puissant. Il est vraiment puissant. On ne va pas nous mentir. Malgré un pile j'effort que la police a fait là en un moment, mais la police vraiment est puissant. Et puissant en termes d'effectifs, en termes de matériel, bien que comparativement avec avant, qu'on a la police qui est plus matériel, c'est vrai, mais niveau violence gang armée, niveau désagrément que Mandi a posé là yo, la police nan li poko vraiment capable répondre avec sa gueule comme situation. Y a fait pile chef fort, y a poussé, y a fait pile chef fort. OK, y a fait pile chef fort. Mais il pas suffit. Il pas suffit. Et même si les armées yo bandi criminel sa fani loi sa yo. Comme barbecue te dit que c'est système dans la combattre. C'est système dans la craser. Mais m'a dit système dans la combattre là. Système dans la craser hein. Est-ce que l'école nationale était Horace Etéard? Est-ce qu'elle mêle avec elle? Yeah. L'école nationale, ça. Nèg yo boule ap krasé an la. Est-ce que li an dedans système nan? Parce que en sérieux, ligne que nèg yo commence à franchir là, elle est rouge là. Ah oui, nèg yo a franchi sérieusement la ligne rouge là. OK. Nèg yo franchi sérieusement ligne rouge là. Et qu'il y a qui ça l'état décide faire? Et qui ça l'état pral faire dans moment? Bon, on va d'accord avec mes fils aimer son gros son gros nounous. Fils aimé son gros nounous dans tes primatiers. OK? Fils aimé son gros nounous dans tes primatiers. OK?
L'aime son gros non nous ça parce que où est m'a regarder sous question langage bon ça m'a besoin regarder ça parce que je dis hein préfère tout monde qui dans tes pays a pas de langage les a parler qui convaincant mais on te ba résultat pour nous sortir dans ça là. OK? Comme si préfère tout monde qui t'a parle qui était dans tes pays a pas besoin gain tes besoin gain bel langage pour aller point ici ici c'est là mais yo te travail pour mes résultats, qui c'est sécurité, ok? Qui c'est sécurité, travail, et permettre que moun yo capable fonctionner comme ça doit. Professeur Saldé. Parce que je dis, il y a besoin. Mais, l'aime diffuser, mais son gros nous nous non. Et parce que, PM Alex Didier fils aimé mais monsieur pas contre côté l'entrée là ou dis-moi est-ce que l'entrée là comme capété à lui-même comme capété à seulement mettez là parce que nèg je t'ai gagné problème avec Gary Koni parce que Koni t'ai comporté un super chef sous nèg yo et nèg pas tu m'accepter ça et puis nèg yo mettez Koni sous côté avec quelques minuscules t'ai gagné dans pouvoir. Mais nèg yo connaît clairement que yo prend fils aimé, yo mette fils aimé là comme un poupé trouel, mais c'est au cap coupé raché. C'est les Lavalas avec les Steve Voltaire. Nèg yo nommé tout monde dans diplomatie et c'est des monde qui a acquaintance avec Lavalas. Et ceci est pas monde qui jeune non. OK. Et bien, moun qui jeune, oui. C'est des moun qui yon même impliqué, qui dégage de passer dans te pays. OK? Donc, je dis, hein, semble que moun yo comprenne que ça n'a vive là. Ça n'a connait là en réalité insécurité. Lycée Mac Fabrique communauté internationale. Lycée Mac Fabrique élite intellectuelle pays. Lycée Mac Fabrique classe politique haïtienne. Lycée Mac Fabrique ensemble moun qui passe dans tes pays comme à un niveau ou bien à un autre lycée ma fabrique yo lycée ma fabrique secteur privé la tande qui gagne une franche oligarque corrompu en dedans lycée ma fabrique de moun qui dans diaspora qui yo même qui fait être complice nan armée nan voye zam an da peyi an. Je di an, ke chak haïtien kopren degré de responsabilité, chak haïtien, chak moun an da peyi an. Parce que je di an, laissez me dire nous. Je dis à laisser me dire non. Je dis hein. C'est triste me dire hein. Mais ne pas qu'à comprendre accepter que bandio. Alors l'aime dit non à l'état. Pour ne pas marcher boulé. L'école nationale Kounia. A boule l'école, disons. C'est bon de nous bagay. Ouais, ça n'y est là. Lycée résultat que deux femmes à garçons qui sont passées dans l'État. OK?
qui pas prendre décision pour te orienter, pour te permettre que ne pas arriver là. Parce que si moun sa on a gardé là qui vient dans question gang ça en pile là aussi résultat 2000 2001 2004, oui, et vient ajouter 2010 2011 et vient ban sanye là, oui, si moun sa yo, yeah, si moun sa yo. Et ou même l'autre ministre, l'autre premier ministre, l'autre président, au lieu que ou t'es encadré de Simon Zayou, ou t'es préféré à faire capital politique ou souyo, eh bien, je dis à mes résultats, mes conséquences là. Ok? Au lieu que Simon Zayou, ou te arrangé ou nan mete ou l'école, nan fè ou apprendre métier, mon te préféré ap orienté ou. Orienté ou. Nan ba ou comme si ou ensemble de ti programme bidon, nan fè ou fè mouvement pour capable ba ou l'argent. Mais je dis à mes résultats. Mais ça qui fait mal dans ça, c'est parce que je dis, hein, c'est même moun qui est dans la même classe avec yo, y a tiré. Ok? C'est moun qui est dans la même classe avec yo, y a boule kayo, y a fait un ensemble de exactions sur yo. Pendant ces temps, yo kon ki es bien. Qui ba aux âmes, yon kon ki es bien, qui oriente yo, mette yo nan sa yo la. Ok? Je dis à fond d'accord. Je suis d'accord avec vous pour nous dire que moun sa yo yo pas innocent. Je suis allé moi-même m'a regarder la valas qui mettait on parce que moi moi dans l'envahi réseau. La valas parlait de échec capitain. Mais m'a pas menti. Li c'est échec classe politique haïtienne, non? Lycée échec, élite intellectuelle payant. Ok? Yeah. Li pas échec seulement KPTA, non. Lycée échec, élite intellectuelle payant. Échec oligarque corrompu. Échec société civile, élite intellectuelle, droits humains, lycée échec tout secteur dans la vie nationale qui était d'accord pour que yo traîne Haïti côté là. Nan malabou senti men Haïti là. Et je dis à Fonzi Baga là bien. Pas que aucun monde kap vin ba nou anana pou Suzanne nan moment. Non. Aucun ne va venir nous en la pour Suzanne parce que tout le monde connaît tout le monde. Yeah. Tout le monde connaît tout le monde dans le pays. Yeah.
OK. Et quel que soit secteur, quel que soit groupe, quel que soit mon coréen, tout le monde compte, tout le monde en a veillé. Et Kounia, qui est mon qui va faire me comprendre que un tel pas responsable, un tel innocent, un tel ceci, un tel cela? Non! Je dis à en prendre responsabilité, non. Quel que soit le secteur coréen, quel que soit le groupe coréen, son pays cap fini. Alors, qui est-ce qui a pris un jeu diplomatique là-bas, qui a pris un jeu diplomatique dans le secteur en pays? Qu'est-ce qui a pris la donne? Bon, c'est eux même encore qui mettent. Ils ont arrangé tous les jeunes. Ils ont arrangé nous Ariel. Ils ont nous capété avec Kony. Kony bala encore. Et Kony a fini par nous capété avec fils aimé. Et puis je dis comme si m'dadou tout mon a des droits ni tête yo tout m'a et ben moi même non c'est un tel et ben moi même c'est un tel oh un tel échoué mais non c'est nous qui échoué c'est nous mettez pays à côté li là yeah c'est nous qui échoué c'est nous mettez pays à côté li là moi même clair sur ça ça gain là. Yeah. Ça gagne là. Faut arranger nous. Yeah. Ouais, ça gagne là. Faut comprendre que quel que soit le secteur que il y a, quel que soit le groupe que il y a, ensemble. Ensemble en goumen. Ensemble en bataille. Parce que faut nous sauver Haïti non. Faut nous sauver. Yeah. Faut nous sauver lui. Et nous devons sauver. Et ça fait croire que nous devons une grosse bataille. Nous devons une grosse bataille. Parce que nous devons être dans le salle. Ça fait toujours dit, pour nous retirer Haïti dans la salle, mandé, ça n'est d'abord, il y a conscience. Ouais, je dis à André Michel à tirer pied. Parce que, pour l'idée au pouvoir, yeah. André a tiré parce qu'il est en dehors du pouvoir. Alors que, l'étape coopération dans Ariel Henry. SDP, c'était un allié sûr à Ariel Henry. En dedans, à quoi 21 décembre. Mais où est là, Yabdou? Y a pas dans l'équipe ça, y a pas dans le pouvoir ça, y a pas dans ceci, y a pas dans cela. OK? Mais messieurs, dames, quelle est la prise conscience ensemble? En pile dans Haïtien qui est en Haïti, yo. Nous partons des cris. Nous partons de Dieu, monsieur, rentrer la caille. Nous partons de Dieu, monsieur, retourner la caille. Parce que côté, il y a plus que 10 ans, 15 ans,
travail dit maladie Freddy fini avec yo. Il va me retourner. Et yo ke gros bien en Haïti. Je dis en nous pousser de yo. Je dis à le mettre au dehors. Yeah. Nous pousser deux de mettre au dehors, je dis en. Et puis, pendant ces temps, nous continuons à passer vers la nuance. Yeah. Pendant ces temps, autant de que Interlap dédouane tête li. Interlap n'est pas responsable. Je dis à m'a dit échec que Lavalas a dit que Capeta échoué, c'est échec Lavalas. Parce que Lavalas est monté en Jamaïque. Les que Ariel était là, puis elle t'a discuté, puis elle t'a négocié. Lavalas est dans toute réunion, tout côté dans tout hôtel. Et Lavalas, il y a des gens qui nous sangue là comme Capeta. Lavalas ou pas innocent? Dans sa gueule, la comme insécurité. Hein? Non. Lavalas pas innocent, non? Non, mon cher. Lavalas pas innocent dans sa gueule, la comme insécurité. Il n'est pas innocent. Et de ce fait, le fait qu'il n'est pas innocent, et bien je dis à Yabinzi que Capeta a échoué. Mais qui est-ce qui fait l'échouer? C'est quoi cette classe politique qui fait l'échouer? D'ailleurs, bon, dis-nous bien. Il n'y a pas de chambre dans la tête, tu n'as pas pour défendre. Élite intellectuelle, non? Classe politique haïtienne, non? Il n'y a pas de chambre dans la tête, tu ne défends rien. Mais, monsieur, c'est triste, c'est malhonnête. Parce que nous voulons quitter le pays en transition. Nous on a dit transition coupée fâché, ça les public c'est si cela c'est l'autre bon. Son pays qui est problème oui monsieur. Nous problème moun en là me dit moun là, et pas parce que moun là intellectuel là l'école il fait non. Nous gè un problème moun de valeur. Il y a pas que moun ité la caillou. Son pays tout moun sous coup. Son pays, tout le monde sous ces mesdames. Yo toutes ces mesdames. Yo na veye l'autre. Yo na veye l'autre. Yo na ba l'autre kou nan do. Yeah. Yo na veye l'autre. Yo na ba l'autre kou nan do. Que je dis à mes problèmes payants. C'est que les droits sont divisés. Tout secteur n'a pas été divisé. Tout a réglé ses affaires personnelles. Yo tout a réglé ses affaires personnelles. Yo tout divisé. Parce que c'est eux qui ont coqué, mesdames, que vous êtes. Vous comprenez? Yo se koke, yo se mesdames. Yo chak ave pou bay l'autre kounando. Et puis je dis à comme si qui est nan yon bal kwe la? Qui est nan yon bal kwe? Nèg ou pon peyi? Vous crasons pays. Vous avez mes jeunes garçons dans le pays. Hein? Politiciens traditionnels malhonnêtes. Leaders politiques. Des nègres avec femmes qui passent dans l'État. Secteur privé.
société civile, droits humains, élite intellectuelle, diaspora. Nous tous coupables. Nous tous responsables. Et ouais, chaque nègre, la parle dans la presse, la veille de job parle. Ouais, cool, je viens de job parle, je fais silence. Cool, je viens de job parle, je fais silence. Cool, je viens de job parle, je fais silence. Je dis à nous comprendre, messieurs, dames. Nous pas ta fait payer ça. Nous pas ta fait payer ça. Nous pas ta fait société en ça. Et problème, c'est nous lier encore. Parce que c'est un blé responsabiliser l'autre monde, l'autre secteur, l'autre groupe monde. Problème PAC nous-mêmes liés encore, attendez. Lavalas, PHTK, OPL, Fusion, Vérité, Unité, Véreyo. Kade, nous tous coupables. Parce que c'est nous-mêmes qui banons sangue là. Et nous banons. Et si je dis, hein, nous pas prendre conscience, si je dis, hein, ne pas garder dans qui état que nous mettez pays ça. Ne pas dire nous, hey, pays d'Haïti, pays ça. Mais dans quelle dimension? Mais qui côté nous voulons arriver? Quoi même si nous voulons? Haïti a vint plus mal. Et m'baba nous menti. Nan moun ki la on baye volonté a nous. Nan moun ki la yo. Soit nan KPT, soit nan gouvernement fils aimé. Mbaye volonté. OK. Soit nan KPT. Nan fils aimé comme chef gouvernement. Mwen pa wè volonté. OK. Parce que monsieur, nous gagne 9 mois. Nous gagne 9 mois dans tête conseil là, nous gagne 9 mois. 25 décembre ba nous 9 mois. Si m'pa trompé, 8 à 9 mois. Qui sa bilan nous y? Qui sa bilan y? Et nous ceux qui ban nèg qui âgé. Au mandat dit, ben nous quitter ça pour le peuple. Yeah. On quitte Timon sur sécurité. Yon. Et nous, là, on a dit, la parler, faut faire élection, faut faire élection, faut faire élection. Oui, faut faire élection. Oui, faut faire élection. Faut faire élection, faut faire élection. Faut faire élection, faut faire élection. Yeah. Faut faire élection, faut faire élection. Faut qu'il y ait élection, faut qu'il y ait élection. Mais je dis, on garde en clair, on essaie de comprendre très bien. On essaie de comprendre très bien, on essaie de garder très bien. Élection, ça, n'a pas allé. Nous voulons pour gagner, nous voulons faire. Je dis à Dim, qui j'aimerais le faire. Est-ce que l'a fait avec sa gueule comme insécurité, hein? N'a rien me connaît, Dim. Qui j'aimerais le faire? Qui j'aimerais le faire? Parce que ça, n'a vivre là, beaucoup ouais volontaire. Beaucoup à volonté. Quand c'est un problème à empirer.
problème va pas empirer. Problème va venir pi mal. Problème va pas empirer, problème va venir pi mal. Et je dis, hein, quel que soit secteur, quel que soit acteur, quel que soit groupe courrier, on comprend, on dit tête que nous voulons l'autre Haïti. On comprend, on dit tête nous, faut qu'on l'autre Haïti. Ailleurs, faut qu'on l'autre Haïti. Nous devons l'autre Haïti. Faut qu'on l'autre Haïti, nous devons l'autre Haïti. Peut-être, donc on va dire combien on a encore blessé, on va gagner l'autre Haïtien. On va dire blessé jusqu'à ce qu'on a gagné l'autre Haïtien. Même l'a été confiant. Même l'a été confiant à gagner l'autre Haïtien. Même l'a été positif à gagner l'autre Haïtien. Même l'a été confiant à gagner l'autre Haïtien. Et moi, je suis certain, on a gagné l'autre Haïtien. On a gagné. Et faut que nous gagnions. N'a gagné fort non gagné et nous devons gagner. Et je dis hein, quel que soit dans secteur courrier, quel que soit dans groupe courrier, on gros bagarre pour faire. C'est gourmet pour nous Haïti. C'est bataille pour que pays ça li sorti dans salle là. Et je dis hein, je dis, hein, m'le que nous, pour nous dire, est-ce que y a volonté vraiment pour nous sortir dans ça? Est-ce que y a volonté vraiment? OK. On même gadi mbawel non. Mbawel. Mais ouais ce qui m'en est capé de parler en pile. Non, je suis metté, je suis ramassé, je suis sur là c'est l'autre bord. Mais vrai problème pays hein. Il est beaucoup jambes posées. OK. Vrai problème pays hein, qui s'est d'abord attaqué question insécurité hein. Problème ça n'est pas beaucoup main parce que ça qu'a fait là